Yes, bonjour à tous, je crois que ça y est, c'est parti. Nous sommes en direct. Je suis hyper stressé, je suis toujours tendu. La première fois que, enfin non, c'est pas la première fois que je fais une conférence, mais à chaque fois que je fais une conférence en live, je suis hyper stressé. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de vous inspirer. Et d'ailleurs, merci à tous, vous êtes 116 auditeurs connectés. Merci, j'ai beaucoup de gratitude pour vous parce que c'est grâce à vous que je peux incarner ma mission, ma véritable nature. Qui je suis. D'ailleurs, anecdote, j'ai une petite histoire. Juste avant, j'étais en train de faire des jumping jacks et de la musculation, en fait, un petit peu comme un échauffement. C'est-à-dire vraiment pour m'échauffer, pour vous faire un grand spectacle, pour vous offrir un grand moment de divertissement, tout en vous enseignant des choses applicables, utiles que vous allez pouvoir utiliser dans votre vie pour vivre la vie de vos rêves et offrir une vie meilleure à ceux que vous aimez. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer, je vais partager mon écran déjà, comme ça on va commencer à tester le matos. Donc, j'ai un écran de rappel sur le côté aussi. Vous êtes 119 connectés, cool. Je vais changer la disposition de l'écran. Non, ouais, je vais laisser comme ça. Tac. Donc, bienvenue dans cette conférence. Vous allez apprendre le système étrange qui permet aux étudiants de l'Académie ICL de gagner 20 000 euros par mois grâce à votre expertise ou votre passion. Hop. Donc, tout d'abord, introduction et test fonctionnel. Tout d'abord, ce que je vous propose de faire pour vous prouver qu'on est bien en live, je vous invite à me dire dans le chat d'où est-ce que vous venez et ainsi, je citerai votre prénom, comme ça vous pourrez voir qu'on est bien en live. Vous êtes quand même 119, donc peut-être que je vais faire un prénom sur deux, parce que sinon ça risquerait de prendre trop de temps en fait. Si je donne le prénom de tout le monde, je pense que votre temps est précieux, donc il est important pour moi de le respecter. Donc dites-moi s'il vous plaît dans le chat son OK si vous m'entendez bien. Dites-moi marquez vidéo OK si vous me voyez bien, ma webcam. Est-ce que vous voyez mes petites mains? Si vous voyez bien les slides, marquez slide OK. Ensuite, on va faire un test de sondage. Tac. Je vais republier un sondage. Et s'il vous plaît, je vais vous demander de voter au sondage, juste pour me confirmer que ça fonctionne. Hop là. Donc voilà, il y a le sondage qui vient d'apparaître. Cliquez sur oui, je le vois bien, s'il vous plaît. Comme ça, on va pouvoir démarrer rapidement. Ensuite, c'est bon, la notification et l'offre, c'est bon. L'offre, quelqu'un m'a répondu tout à l'heure, offre, OK. C'est cool. Oh, comment je suis stressé? Donc, quelques conseils pour bien profiter de cette conférence. Prévoyez 2 heures sans être dérangé, prenez de quoi noter. Si besoin, allez vite aux toilettes et prenez un verre d'eau. Sachez qu'il y a 60 secondes de latence entre le moment où moi je vous parle et le moment où vous me voyez parler. Donc il peut y avoir du décalage et donc ça limite un petit peu les interactions, mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, j'arrive plutôt à me débrouiller. Sachez que ce n'est pas sûr qu'il y ait de replay. Donc si c'est important pour vous de changer de vie, de gagner 20 000 euros par mois, de vivre la vie de vos rêves ou d'offrir une vie meilleure à ceux que vous aimez, restez bien jusqu'au bout. Je regarde un petit peu dans le chat, qu'est-ce que ça dit? Tac, tac. Salut Véronique, Reda, David, Youssef, Véro, Lynn, Hilda, Ndiaye, Josia, Niels, Xavier, Reda, Marley, France, Bruni, Ramatou, OK. On a qui d'autre? Fofana, Adèle, Régis, France, Josia, Denis, Jean-Marc, Sébastien, Youssef, Zor, Bruno, Youssef, Patrick, Fouad, Stéphane, Lina, Mustapha, Jameladine, David, Voilenadine, Laetitia, Yacine, Jace, David, Philomène, Georges, Baba Karline, c'est Libika, Jean-François, Nourdine, Bueni Ramatou, Joyce, Sandrine, Pierre, Hilda, Séverine, Ludivine, Philippe, Reda, Epil Coach, non, EPL Coaching, Wahid, Nassira, Abdeladi, Marie-Pascal, Ali, Sofiane, Raphaël, David, Sabrina, Vincent, Xavier, Audrey. Bah ouais, vous êtes trop nombreux. Bienvenue à tous. Donc, tout est OK. OK, c'est bon, vous m'entendez bien. Salut Sylviane de la Gaillarde. Salut Livia de Nouvelle-Calédonie. Waouh. Nordine, OK, patron. Lydine, son vidéo, OK. On va pouvoir enchaîner.
Quelle heure est-il? Il est 13h05. Autre conseil, évitez les smartphones. Si vous êtes connecté depuis votre mobile, regardez, connectez-vous depuis un ordinateur à votre boîte mail. Regardez, je vous ai envoyé un lien. Je vous déconseille l'ordinateur portable. Pourquoi? Parce que la taille de l'écran est trop petite, vous n'allez pas réussir à lire les slides. Deux, votre téléphone risque de s'éteindre à cause du manque de batterie et vous risquez de tout le temps être dérangé par WhatsApp, Facebook, les notifications et tout ça. Sur votre ordinateur, très important, désactivez Adblock. Sinon, vous risquez de rencontrer des problèmes. Si vous ne savez pas ce qu'est Adblock, il est probable que vous n'ayez pas cette extension. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas concerné par ce problème. Enfin, si ça plante, si vous perdez le son ou la vidéo, tout simplement, rafraîchissez le navigateur. Les règles de la maison, soyez polis et courtois dans le chat. Les haters, là, tous ceux qui sont là pour râler et tout ça, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps et allez-vous-en. Moi, je vais partager vraiment avec vous, avec beaucoup de passion, d'énergie et de bienveillance, et je vais vous demander de m'en donner autant. Ensuite, inutile de crier, réponds si tu es en live, parce que ça, je le connais tout le temps, je l'ai, il y a toujours rien pour dire, ah Rudy, réponds, c'est en live, dis mon nom, dis mon nom. Je ne vais pas pouvoir regarder le chat pendant la présentation, je vais me concentrer sur ce que je partage. Je regarderai le chat seulement quand je vous pose des questions. Donc, s'il vous plaît, restez concentrés, je vais laisser le chat ouvert pour plus de convivialité, pour également que vous me signaliez s'il y a un problème, parce que vu qu'on est en live, bah, ça arrive qu'il y ait des bugs. Évitez de taper la discussion entre vous dans le chat, sauf le minimum. Sachez que mon énergie, en fait, va dépendre de votre énergie. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai fait plus d'une cinquantaine de conférences en live comme celle-ci, et j'ai bien vu que les conférences, où vraiment, j'ai donné trop de pépites, trop de valeur, c'était excitant, il y a plein de belles choses, plein de magie qui s'est passée derrière. C'était quand j'avais des gens extraordinaires dans le chat, qui eux aussi étaient pleins d'énergie, pleins de bienveillance, super motivés à changer de vie, prêts à appuyer sur le bouton rouge, qui répondaient aux questions quand je leur posais des questions, qui répondaient aux sondages. Et en fait, vous engager vous-même dans cette conférence et me donner ne serait-ce que 10% de ce que je vais vous donner va me permettre à moi de vous donner encore plus. Répondre aux sondages déjà fait. Aussi, sachez que voilà, aujourd'hui, je suis seul dans le live. Donc, si il y a des retardataires ou que vous voyez dans le chat quelqu'un qui dit ça marche pas, il n'y a pas de son, etc., je vous remercie à ceux parmi vous qui accepteront de faire les assistants. Et puis si vous voyez des trolls qui disent ah, arnaque, invitez-les gentiment à s'en aller. Alors, pourquoi et comment cette conférence va changer votre vie? J'ai créé l'Académie ICL pour fabriquer des futurs millionnaires. Ouais, des futurs millionnaires. Et là, tu te demandes certainement pourquoi ICL? Pour impact, cash et liberté. Pourquoi? Parce que, tu vois, ça fait 21 ans maintenant que je monétise Internet et avant, je courais après l'argent. Et en fait, quand tu cours après l'argent, bah, l'argent, il te fuit, tu vois. C'est comme en séduction. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Et il m'a fallu 20 ans pour comprendre un truc qui est magique. Et là, juste, voilà, dès que vous allez comprendre ça, vous allez rentabiliser déjà votre conférence, le temps que vous allez me consacrer. C'est que aujourd'hui, je cours après l'impact. Parce que le cash court derrière l'impact. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de l'impact, et plus c'est l'argent qui va venir vers toi. Plus tu vas avoir de l'impact dans la vie des gens, et plus c'est les gens qui vont te dire, s'il te plaît, prends mon argent. Je vous donne un exemple. Moi, dans ma société, j'ai un numéro de téléphone, une ligne de téléphone VIP qui s'appelle TMM, comme Take My Money. Et donc voilà pourquoi impact, cash et liberté. Plus tu vas avoir d'impact et plus le cash va venir vers toi et plus tu vas avoir de cash et plus tu vas avoir de liberté. Sachez qu'il n'y a rien à vendre dans cette conférence. Vous pouvez ranger vos CB, vous pouvez enlever toute votre vigilance. Je vais juste partager avec vous quelques-uns de mes plus grands secrets sans tabou et qui vont être applicables seuls de votre côté ou avec moi. Ma mission, c'est tout simplement d'aider et d'inspirer le maximum de personnes. Et si j'ai bien fait mon job, bah je sais très bien que certains d'entre vous, à la fin, vont vouloir qu'on les accompagne. D'ailleurs, je offrirai la possibilité aux plus rapides et aux plus motivés d'entre vous de booker un appel avec un expert de mon équipe pour vous aider à rejoindre l'un de nos programmes, si vous en avez envie. À qui s'adresse cette conférence? Elle s'adresse à toi si tu es entrepreneur et que tu possèdes déjà une véritable expertise, que tu sois formateur, coach, consultant, thérapeute, avocat, restaurateur, garagiste, peu importe en fait, dès lors que tu es entrepreneur ou tu as une expertise, ce qui compte, c'est avoir une expertise, c'est fait pour toi. C'est fait pour toi également si tu es blogueur, auteur, influenceur, conférencier ou que tu rêves de devenir l'un de ces métiers et de vivre de ta passion ou de ton expertise. C'est fait pour toi si tu as un besoin profond et intense de trouver une nouvelle voie professionnelle
ou mieux encore ta mission. Et tu vas voir que ça va tout changer. Ça va faire de très, très, très gros shifts si tu fais très attention à tout ce que je vais partager avec toi. Surtout, prenez de quoi noter, les gars, parce que ça va être très vite. Notez déjà impact, cash et liberté. Si tu as de l'impact, c'est le cash qui va courir derrière toi. Et une fois que tu as le cash, tu as la liberté. Ensuite, cette conférence, elle est faite pour toi si vraiment tu as une volonté sincère de faire de la différence et d'avoir de l'impact sur la société. Comment? En rendant une partie de ce que l'univers t'a donné. Tu vas voir que on a tous un don, en fait. Les Américains, ils appellent ça un gift. Il y a ton Dieu, l'univers, ou je sais pas quelle est ta source de spiritualité, mais on est tous sur cette terre pour quelque chose. On a tous une bonne raison d'être là. Et l'idée, ça va être justement de comprendre quelle est notre mission et d'avoir le plus d'impact possible sur la société à travers cette mission. En revanche, cette conférence, elle n'est pas faite pour toi. Tu peux t'en aller si tu veux, je ne serai pas vexé. Si tu cherches une solution miracle pour devenir riche sans changer ou sans t'investir sérieusement en temps et financièrement, il faut être réaliste, d'accord? Attendez, il faut que je prenne du sirop. Alors, je vous explique. Je vous fais cette conférence, mais je me suis réveillé ce matin avec un torticolis de fou. Parce qu'il fait très chaud à Marrakech, j'ai les deux clims ouvertes et je pense que c'est ça ce qui m'a donné un torticolis. Donc je disais, il faut être réaliste, hein. Si tu cherches une technique miracle pour devenir riche sans changer, c'est pas fait pour toi. Note que j'ai dit sans changer. Pourquoi? Parce que, vous pouvez noter cette phrase, les résultats que vous obtenez ne dépendent pas de ce que vous faites. Les résultats que vous allez obtenir dépendent de qui vous êtes ou qui vous devenez. Et c'est pour ça que c'est important de changer. Tu sais, dans une de mes publicités en commentaire, là, j'ai trollé un petit peu les gilets jaunes et j'expliquais en fait que moi, même si dans le passé, il y a 20 ans, j'étais une petite racaille de banlieue pourrie, quoi, pire qu'un gilet jaune, et j'ai des gilets jaunes qui ont mal réagi, qui disent, ouais, un peu de respect. En fait, non, je ne peux pas respecter les gilets jaunes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je ne peux pas respecter des gens en fait qui mettent une énergie folle, qui mettent leur vie en danger, tu vois, qui prennent des flashballs dans la tête et tout. Pour manifester, pour se plaindre, mettre une énergie folle pour se plaindre des politiciens qu'ils ont eux-mêmes élus. Alors que cette énergie-là, ils pourraient la mettre tout simplement en investissant sur eux pour changer de vie. C'est-à-dire que les mecs qui se plaignent que d'autres personnes en qui ils n'ont pas confiance ne leur apportent pas de changement. Alors qu'en fait, tu vois, ils pourraient mettre cette énergie en eux pour changer. C'est pas fait pour toi également si tu es sceptique et tu crois pas que c'est possible de très bien gagner ta vie en faisant ce qu'on aime. C'est pas pour toi non plus si tu espères que participer à cette conférence, bah, ça va changer ta vie sans un passage à l'action massif derrière. Je sais que la plupart d'entre vous êtes là juste parce que vous rêvez, mais je sais très bien qu'en vérité, il y a seule une poignée d'entre vous qui vont agir à la fin de cette conférence, qui vont se mettre en mouvement. La chance que vous avez, c'est que mettre les gens en mouvement, c'est un de mes talents. Mais pour que ça marche, il faut que vous aussi, vous vous donniez cette chance. C'est-à-dire que moi, je vais vous tendre une main, mais ça va être à vous de vous bouger aussi. Je ne vais pas pouvoir faire la nounou pour vous. Je vais vous donner des outils qui fonctionnent, qui rapportent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais il va falloir travailler à un moment. Je sais que votre temps est précieux, donc voici ma promesse et mes objectifs si vous restez jusqu'à la fin de cette conférence. Tout d'abord, donc, c'est vous présenter le système étrange que mes étudiants utilisent, et ça, vous allez pouvoir l'utiliser même seul de votre côté. Je vais vous prouver que ce système, c'est le meilleur moyen de gagner 20 000 euros par mois pour vivre la vie de vos rêves et offrir une vie meilleure à ceux que vous aimez, en plus de vous rendre heureux, et de partager tellement de valeurs et tellement vous inspirer qu'à la fin, voilà, vous allez me demander de vous aider. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez ranger vos CB, il n'y a rien à vendre à la fin, c'est tout le contraire même, c'est moi qui vais vous offrir quelque chose. Au programme secret numéro 1, on va voir les coulisses de cette opportunité incroyable, bien valorisée par la société, qui vous permet de gagner beaucoup d'argent en faisant ce que vous aimez. Dans le secret numéro 2, je vais briser tous les mythes et les croyances limitantes qui sabotent les résultats que vous pouvez obtenir. Vous allez voir que c'est bien plus facile, rapide et accessible que vous ne le croyez. Dans le secret numéro 3, je vais vous montrer comment obtenir des résultats rapidement et avoir 100% de certitude que vous allez cartonner. Je sais que tous, à la fin, vous allez voir vous mettre en mouvement et vous allez rencontrer
Trois types de blocages. Le premier blocage, ça va être des blocages sur mon opportunité. Vous allez vous dire, ah, c'est génial, vendre sans savoir, mais je ne vois pas comment c'est applicable à moi. Justement, on va dégommer ça. Une fois que vous allez vous dire, ah, c'est vrai, cette opportunité est pour moi, vous allez certainement vous dire, mais je ne pense pas en être capable. Et justement, dans le secret 2, on va dégommer tout ça. Et à la fin du secret 2, vous allez dire, effectivement, j'en suis capable, mais je veux des résultats rapidement. Et ça, c'est ce que je vais vous prouver dans le secret 3. Cadeau bonus, je vous proposerai à certains d'entre vous seulement, à une sélection d'entre vous, de bénéficier d'une heure d'appel stratégique avec un expert de mon équipe pour qu'on étudie en fait qui vous êtes, quel est votre projet, et si on pense pouvoir vous aider, vous aider à rejoindre l'un de nos programmes. Enfin, on terminera avec une session questions-réponses, et sachez, vous pouvez vérifier sur mon site internet, ceux qui sont déjà allés sur mon site, vous l'avez vu, que je vends mon heure de consulting 2000 euros. Et donc, à la fin, si vous voulez, je vous répondrai à toutes vos questions, que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, même sur la viabilité de votre projet. Et donc voilà, comme je vous expliquais, c'est moi qui vous ai offert en fait l'appel, ça je l'ai déjà dit. Donc, si vous êtes ici, il est probable que justement vous cherchiez à gagner plus d'argent, vous en avez marre de galérer avec un job qui vous plaît pas ou avec un patron qui vous respecte pas, qui vous donne plus de quoi survivre. Peut-être que vous êtes entrepreneur ou indépendant et vous avez des clients que vous détestez. Peut-être que vous en avez marre de mendier de l'attention des prospects. Peut-être que ce que vous voulez, c'est tout simplement devenir libre et indépendant financièrement ou prendre une véritable revanche sur la vie telle que moi je l'ai fait dans le passé. Alors peut-être que vous avez essayé ces trucs hein, sans succès, comme cumuler plein de diplômes. Honnêtement, c'est pas mauvais, mais c'est pas ça ce qui va te garantir de gagner plein d'argent. Je vois, donc moi pendant 11 ans j'étais serveur et je n'avais pas idée du nombre de serveurs que j'ai connus qui étaient avocats en fait. Peut-être que tu as essayé de travailler dur et de demander une augmentation. Pourquoi? Parce que on nous a fait croire en fait qu'il fallait travailler dur, mais ça c'est du mytho. On va le voir après. Pour réussir en fait, t'as pas besoin de travailler dur. En fait, c'est même une très mauvaise idée de travailler dur. Ce qu'il faut, c'est travailler smart. Peut-être que tu as essayé le dropshipping, le MLM, c'est-à-dire le marketing de réseau, ou l'affiliation, le consulting, le pari sportif, etc., etc. Et tu vois bien que rien ne marche. T'es bloqué, tu procrastines, ou pire. T'as perdu de l'argent. Mais ce n'est pas de votre faute, en vérité, c'était perdu d'avance. Le système, l'éducation nationale, les parents, l'éducation politique, religieuse, votre environnement, en vérité, il n'y a personne qui veut vous aider. À l'école, on ne nous apprend pas à apprendre, on ne nous apprend pas à entreprendre, on nous apprend juste à être des exécutants, à exécuter bêtement pour être des petits soldats obéissants à la merci soit du système en devenant fonctionnaire, soit pour travailler à l'usine et pour les grands patrons. Tes parents, peut-être que eux t'ont dit qu'il fallait que tu sois avocat ou médecin alors que toi ça te plaisait pas, ou peut-être que tu as suivi leur cursus et tu vois bien en fait tu t'es auto-saboté parce que tu vois bien que c'est pas fait pour toi. Peut-être que tu essaies d'en parler à des amis, à des cousins, de la famille, de tes projets, que tu voulais changer de vie, que tu voulais faire des grandes choses. Et on t'a découragé, on t'a dit « ça ne marche pas, c'est pas fait pour toi, tu vas pas y arriver, oui, mais c'est risqué, oui, mais c'est dangereux. » En vérité, c'est parce qu'ils sont jaloux de toi, ils veulent pas que tu aies mieux qu'eux. Mais que va-t-il arriver si rien ne change? Tu es bien conscient que tu peux pas rester comme ça. Est-ce que tu as envie de mourir avec des regrets, de ne pas avoir essayé? Est-ce que tu as envie que d'attendre que tes parents s'en aillent sans avoir pu leur prouver de quoi tu étais capable? Est-ce que tu as envie de laisser un modèle de réussite? Ou alors, est-ce que tu es prêt à prendre le risque de transmettre un modèle d'échec à tes enfants? Ou ils pensent que pour eux, travailler dur et être pauvre, c'est ça la normalité? Si tu as peur de tout ça, je veux que tu laisses ces peurs s'en aller parce que je suis là pour t'aider. Alors, qui suis-je? Et pourquoi vous devriez m'écouter? Donc tout d'abord, dites-moi dans le chat, ça vous parle de ce que je vous ai dit jusqu'à présent là à propos de tout ce qui ne marchait pas et de tout ce qui risque d'arriver si rien ne change? Mettez-moi oui dans le chat, oui. Pourquoi vous devriez m'écouter? Je m'appelle Rudy Somme, j'ai 40 ans, je suis expatrié à Marrakech et je suis président des sociétés Smart Traffic Limited au Maroc, à Marrakech, au capital de 10 000 dirhams, et la petite dernière, la société Academy ICL en Irlande, au capital de 1 million d'euros. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Je suis un vrai Mongolien sans diplôme. J'ai arrêté l'école à 16 ans, non, à 14 ans même, en vérité, pour être serveur pendant presque 11 ans. Et à 21 ans, j'ai mon premier enfant. À 23 ans, j'ai mon deuxième enfant. Alors, vous voyez, j'étais vraiment un petit bébé. Hein. Et en tant que serveur, je gagnais 1300 euros net, je crois.
Et là, c'est le drame, en fait. Donc, on habite à Paris. Et là, c'est le drame, en fait. Il y a EDF qui me coupe l'électricité en plein hiver. Et en fait, 2 hivers d'affilée. Pourquoi? Parce qu'avec mon maigre salaire, on ne s'en sortait pas financièrement. Et là, je te laisse imaginer. Putain, c'est douloureux quand je parle de ça à chaque fois. Je te laisse imaginer, en fait, à quel point tu as l'impression d'être une merde en tant que père de famille quand tu n'arrives pas à subvenir aux besoins de tes enfants. Franchement, c'est dramatique. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle justement de cette expérience avec les Kinder. Et si vous êtes là, il est probable que vous ayez vécu des expériences assez similaires. Et donc, en fait, tu vois, je me heurtais en fait aux obstacles classiques, tu vois. J'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas de compétences, j'ai pas de chance. Je suis parti voir une assistante sociale, on m'a dit que je gagnais trop. Et là, je vous explique, j'ai trouvé tous les coupables du monde. Hein. C'est à cause des Noirs et des Arabes, ils prennent les emplois, ils ont les aides et tout. Moi qui travaille, j'ai rien. Les chômeurs, ils travaillent pas, ils ont plus que moi d'aide et tout. Enfin bref. Mais qu'est-ce qui allait arriver si rien ne change? Je pouvais trouver tous les coupables du monde. Il n'y a rien qui allait changer. Il n'était pas question justement que mes enfants grandissent dans la pauvreté. Il n'était pas question justement. Enfin, moi, ce n'est pas ça le modèle que je voulais leur montrer. Je voulais que mes enfants, en grandissant, ils se disent, oui, c'est possible de réussir. Oui, c'est possible de bien gagner sa vie. Et en fait, c'est ça la normalité, c'est bien gagner sa vie. Et en fait, vous voyez, cette épreuve qui a été extrêmement douloureuse à cette époque-là, vraiment, j'étais pas bien, j'étais en dépresse, je fais pleurer tout à l'heure quand je dis ça. Bah, cette épreuve-là, c'était l'un des plus beaux cadeaux de la vie en réalité. Mais il m'a fallu du temps pour le comprendre. Pour moi, en fait, maintenant, avec le recul, tu vois, donc il y a plus de 20 ans, c'était un cadeau envoyé de l'univers, en fait, c'était un signe, en fait, c'était un cadeau pour me donner la possibilité de me responsabiliser et de prendre le contrôle sur ma vie. Je refais le parallèle avec le gilet jaune. Ils se plaignent, ouais, on veut pas ci, on veut pas ça, on n'a pas d'argent, là, là. Putain, bordel de merde, ils mettent le contrôle de leur vie, enfin la qualité de leur vie, entre les mains de politiciens en qui ils n'ont pas confiance. Tu vois pas le problème? Alors qu'en réalité, cette énergie-là, ils pourraient la prendre et se responsabiliser au lieu de se plaindre et de dire, j'ai pas ceci, j'ai pas de chance, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Se poser la question, ok, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, je décide de trouver des solutions au lieu de trouver des excuses. Par exemple, j'avais pas d'argent pour me lancer, donc j'ai bien compris. Je vous passe le truc, mais j'avais demandé, en tant que serveur, j'étais vraiment excellent. J'avais demandé une augmentation, et puis on m'avait dit non, et même mieux encore, le manager, il m'a dit, écoute, le patron, il m'a dit de te donner une leçon. Et au début, j'étais choqué. Et en fait, là, c'est maintenant, en vous le disant, que je viens de conscientiser que c'est encore un cadeau. Le patron, il avait dit au manager de me dire que c'était mon taf de l'enrichir, lui, et pas le contraire. Vous voyez? Et sur le coup, j'ai dit, putain, l'enculé. Mais en fait, voilà, c'était une belle leçon, c'était un beau cadeau. Et donc, bah, qu'est-ce que je fais? Moi, je veux lancer ma boîte. À cette époque-là, vraiment, j'ai pas de thune, mais vraiment, je suis en galère de ouf. Hein. C'est-à-dire que même la nuit, donc en serveur, je termine à 2 h du matin, je rentrais en roller pour économiser les taxis parisiens. Tu vois? Même en plein hiver. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je veux me lancer. J'ai besoin de thunes pour me lancer. J'ai même pas un ordinateur à cette époque-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un crédit revolving pour obtenir le financement dont j'ai besoin. Et au passage, la boîte, elle me demande quel est mon salaire, est-ce que j'ai des enfants, tout ça. Et donc, je leur ai menti parce que je savais très bien que si je leur disais que j'avais des enfants, ils ne m'auraient pas fait ce crédit. Mais ça en valait la peine parce que je savais pourquoi je faisais ça. Je savais quelle était ma vision. Je savais c'était quoi le but. J'ai pas de temps. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que j'emmène mon ordinateur avec moi pendant les coupures, vous savez, dans les restaurants, et je réduis mon temps de sommeil. C'est-à-dire que j'arrête de faire la fête, j'arrête de voir les amis. Je décide, en fait, d'éliminer de ma vie tout ce qui ne me rapproche pas de mon objectif final, de ma vision, offrir une vie meilleure à mes enfants et à ma famille. Donc, j'arrête les copains, j'arrête d'aller en boîte, j'arrête dans les bars, j'arrête de faire la fête, j'arrête de prendre les taxis, je prends les rollers. J'arrête de regarder des films. Je dors que 2 heures par nuit pour faire que me former. Et parce qu'à la base, j'avais pas de diplôme et j'étais bien conscient qu'il fallait que je fasse quelque chose en fait. Tu vois. Donc, je décide de me former. À cette époque-là, il n'y avait pas encore les formations en ligne. On parle de ça, c'était il y a 20 ans en arrière. Hein. Et donc, bah, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais sur les blogs américains pour apprendre comment on fait pour créer des sites internet et référencer son site dans Google. Et anecdote, c'est que vu que j'ai arrêté l'école à 14 ans, bah, je savais pas parler en anglais. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est que j'ai utilisé Google Translate pour comprendre l'anglais. Et encore un nouveau cadeau de la vie, tu vois. Lorsqu'il y en a plein qui auraient fait la victime, bah, en fait, j'avais un beau cadeau. C'est ça ce qui m'a permis d'apprendre l'anglais, en fait. Tu vois. Et là, en fait, en l'espace de quelques années,
il y a tout s'accélère. Et là, vous allez voir, c'est un truc de malade. Mais vraiment. Et c'est un signe, tu vois, que quand tu te donnes une chance, en fait, il y a les choses qui vont arriver. Et tu vois, prenez encore de quoi noter là. C'est que beaucoup de gens, en fait, et moi le premier dans le passé, je vais éteindre la clim là parce qu'il fait froid. Chaque fois qu'il y avait des obstacles, en fait, je disais, putain, j'ai pas de chance, il y a encore un obstacle en travers de mon chemin. Putain, j'ai pas de chance, putain, j'ai pas de chance, putain, la vie est une chienne. En plus, rappelez-vous, je disais à l'époque, j'étais un petit banlieusard, donc j'écoutais du gangsta rap et tout ça. Et les mecs, ils disaient, ouais, la vie est une chienne, la vie est une salope. Et donc, moi, je gobais toutes ces salades comme un con. Mais en vérité, chaque obstacle qui tombe devant toi, en fait, il n'est pas en travers de ton chemin, mais il est sur ton chemin pour t'entraîner, en fait, pour t'aider à t'améliorer, à devenir une meilleure personne et à devenir plus fort, en fait. Et donc, tout s'accélère et en l'espace de quelques années, bim, je me retrouve à la tête d'une multinationale. Et je recrute plus de 700 salariés en l'espace de 3 ans. Vous voyez le petit chinois là sur la photo au milieu? Bah, c'est moi. Et vous voyez sur la photo, il n'y a pas assez de place pour mettre tout le monde. Donc 700 salariés avec un turnover, hein, bien sûr. Mais au top du top, dans ce groupe, on s'est retrouvé avec 176 salariés. On avait des bureaux à Toulouse, à Nice, à Marrakech, à Tétouan, parce qu'on avait attaqué le marché espagnol, à Bucarest et à Luxembourg. Ben voilà, et dans les Vosges. Et en fait, donc, qu'est-ce qui se passe? En 3 ans, on fait 14 millions d'euros. Je sais pas si tu imagines, 14 millions d'euros. Mais il y a tout qui part en couille, en fait, parce que, pour plein de raisons, déjà, mes associés de l'époque et moi, en fait, vu qu'on est des Mongoliens, on s'est retrouvé avec une multinationale à gérer, et c'était en dehors de nos compétences, en fait. On n'arrivait pas à gérer le truc. Ensuite, c'est que l'argent, le pouvoir, tout ça nous est monté à la tête. Et en fait, ben, j'ai fini par faire un burn-out. J'étais perdu d'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur YouTube. Dites-moi si ça vous intéresse que je le fasse. Où en fait, tu vois, j'ai fait un burn-out, j'ai pété les plombs, quoi. Et à ce moment-là, j'ai tout perdu, quoi. Mes amis, mon couple et ma famille. Notamment la mère de mes enfants, ça faisait 23 ans que j'étais avec elle. Et mes enfants, aujourd'hui, ils ne me parlent plus. Et ça, c'est le drame de ma vie. Mais bon, je continue de les aider quand même autant que je peux. Et je continue de les aimer autant que je peux. Bref, je perds tout, en fait. Donc. Alors qu'en réalité, j'avais la vie parfaite dont tout le monde rêve. La maison, le jardin, la piscine, 3 enfants magnifiques, la même femme à qui j'étais depuis l'âge de 13 ans, une multinationale, j'étais un big boss. Mais en réalité, si j'ai fait ce burn-out, c'est parce que cette vie, elle ne me convenait pas. En fait, je baignais dans mes antivaleurs. Je vous en reparlerai un autre jour, mais c'est très spirituel, mais c'est pas le moment d'en parler dans cette conférence, même si c'est très, très, très inspirant. Et donc voilà, je perds tout du jour au lendemain, je me retrouve sans foyer, sans maison, sans femme, sans enfants, sans travail. Mes enfants, ils étaient dans des écoles Montessori, ça me coûtait 1000 euros par enfant, j'en avais trois par mois. Il fallait que je rebondisse, quoi. J'avais un petit peu d'argent de côté. Mais pas beaucoup. Et donc, tu vois, plutôt que. Enfin, je ne vous cache pas que j'ai fait une vraie dépression, quoi, mais au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, si tu rebondis pas pour toi, fais-le pour ceux que tu aimes. Parce qu'il n'était pas question, en fait, que mes enfants payent ou se retrouvent dans un nouveau schéma que j'avais fui à cause de mes propres limites personnelles. Et donc, je me pose la question, en fait, et je me dis, c'est quoi mes super pouvoirs, en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les compétences que je peux utiliser pour rebondir? Et c'est là que je comprends un truc, c'est que le savoir que tu acquiers, les compétences que tu acquiers, elles vont te suivre absolument toute ta vie. Et tu vois, si par exemple, ça te coûte 1000 euros d'acquérir une compétence, dis-toi que tu as toute ta vie pour la rentabiliser, en fait, cette compétence. Et généralement, tu vas obtenir 100 fois plus. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, tout s'accélère à nouveau. Je lance une société de génération de prospects qualifiés, en fait, pour différentes industries comme l'immobilier, le crédit, la défiscalisation Pinel, le rachat de crédit, le loi LMNP, les devis travaux. D'ailleurs, en fait, en réalité, c'est obligé que vous ayez déjà vu mes publicités au moins une fois dans votre vie. Si vous avez vu des publicités de merde pour du rachat de crédit, pour de la défiscalisation Pinel, pour du MLNP ou des trucs comme ça, il est fort probable que ce soit moi. Et en fait, je dépense tellement d'argent dans la publicité pour générer des prospects que en 2017, en fait, il y a Facebook qui m'appelle et qui m'invite au siège social à Dublin en m'expliquant que je vais m'entrer dans le portefeuille des 20 plus gros annonceurs publicitaires pour toute l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Ça, c'est moi dans les bureaux de Yahoo. À cette époque-là, j'ai dépensé entre 8 et 12 000 euros par jour, toujours pour générer des prospects qualifiés ou même pour faire du dropshipping. Donc, je fais plusieurs millions à nouveau, enfin, non,
un peu moins de 2 millions d'euros à cette époque-là, en vendant des leads, en vendant des prospects, alors que j'ai pas un seul salarié. Alors sur les 2 millions, c'est pas 2 millions de bénéfices, rappelez-vous, je rachète de la publicité. Mais je gagne super bien ma vie, c'est des revenus passifs, je suis libre, j'ai pas de salarié, je voyage en fait, à cette époque-là, en un an, je fais 12 ou 13 pays, je crois. Et en fait, il m'arrive un truc bizarre, c'est que je m'ennuie et que plus je gagne, et moins je me sens heureux. Vous voyez que c'est bizarre, hein? Et pourquoi? Parce que je me sentais inutile en fait, tu vois. C'est-à-dire que dans le passé, quand j'avais le groupe, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai conscientisé pourquoi je kiffais ce groupe. C'est parce qu'en fait, j'avais de l'impact dans la vie de mes employés, et au lieu d'avoir de l'impact dans la vie des clients. Ça, je vous en reparlerai dans ma vidéo sur YouTube où je parle du syndrome de l'imposteur et que j'ai fait des millions en vendant de la dope. Et bon, bref, j'avais de l'impact dans la vie de mes salariés au lieu d'avoir de l'impact dans la vie de mes clients. Et donc là, à cette époque-là, voilà, je fais de l'argent, mais j'ai pas d'impact en fait. Je me sens nul et inutile. Et donc à ce moment-là, bah, qu'est-ce que je fais? Je me dis, tiens, je vais organiser une conférence où je vais enseigner la publicité Facebook Ads. Je vends une formation. Et j'organise cette conférence tant bien que mal. Et boum, j'encaisse 14 000 euros en 4 heures. Et là, je me dis, waouh! Mais alors, on peut gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime. J'étais choqué, j'étais surpris parce que pour moi, j'étais convaincu que dans la vie, dans le business, c'est soit passion, soit pognon. Tu peux pas cumuler les deux en même temps. Et là, je fais un gros shift, tu vois. Aujourd'hui, bah, j'ai refait ma vie et je suis marié avec une femme magnifique. Là, on est sur un petit bateau qu'on avait loué à Ibiza. J'habite dans cette villa de dingue. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vue. Qui fait 450 mètres carrés sur un terrain de 1300 mètres carrés en première ligne du golfe le plus chic de Marrakech. Mes enfants sont en sécurité, bénéficient d'une super pension alimentaire. Et j'ai la chance de côtoyer des entrepreneurs de malades. Dites-moi dans le chat, qui est-ce que vous recommandez? Vous pouvez me voir là au milieu, c'était dans un mastermind à Marrakech avec Alec Henry, Robin, Vincent Lévy, Julien Musy, Romain Caillet, Théophile Elliott, Greg Prouvost. Amine, Hamza, bref, dites-moi qui vous connaissez, mais là, sur cette photo-là, il y a plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires générés au total. Et donc voilà, aujourd'hui, je gagne super bien ma vie, je voyage où je veux, quand je veux, en dehors du coronavirus. Et récemment, j'ai remonté une équipe super cool sur laquelle je peux compter pour me soutenir dans ma mission. D'ailleurs, peut-être qu'elle vous passera un coup de fil dans les jours à venir. Et le meilleur dans tout ça, en fait, c'est que mes étudiants gagnent encore plus que moi. Tels que Saad qui a fait 80 000 euros avec un webinaire, Romain qui a fait 300 000 euros en 6 mois, Florent qui a fait 65 000 euros en 15 jours, Lionel qui a fait 21 000 euros en 5 jours, Baptiste qui a fait 80 000 euros en 3 mois. Enfin bref, ils gagnent plus que moi. Et en fait, des milliers d'autres personnes aussi que j'ai pu aider grâce au contenu gratuit que je fournis sur YouTube, Instagram, les conférences et les formations que je propose. D'ailleurs, la clim, elle me fait mal à la tête. M'en voulez pas, je vais être un petit peu mal poli, je vais mettre une casquette parce que la clim me fait mal à la tête. Tiens, d'ailleurs, regarde, hop, c'est la casquette Impact Cash et Liberté. Comme ça, du coup, je peux remettre la clim parce qu'il fait vraiment chaud. Donc, ouais, j'ai aidé bah, des milliers d'autres personnes grâce à tous ces contenus. Restez jusqu'au bout. Je vais vous donner des preuves et des témoignages en vidéo. Pourquoi? Parce que je sais que ça paraît trop beau pour être vrai ou même difficile à concevoir. Qu'il est possible de gagner un an de salaire en seulement quelques semaines. Donc voilà pourquoi, durant cette présentation, j'ai partagé avec vous toutes les preuves en vidéo avec des gens qui vous ressemblent, qui vous disent combien elles gagnent, mais surtout combien tu gagnes si tu décides de saisir l'opportunité que je vais partager avec toi. Alors, je vois 152 auditeurs connectés. Ce qui me ferait très plaisir, c'est que tout le monde me mette un petit message dans le chat en disant ouais, c'est cool, ou un truc comme ça. Pourquoi je vous raconte ça? Si je vous dis tout ça, c'est pas pour me la péter, mais juste pour vous prouver que si un Mongolien comme moi peut le faire, alors vous aussi, vous pouvez le faire. Je fais ça de manière à pouvoir vous inspirer parce que c'est ma raison d'être et mes souhaits, mon souhait le plus cher aujourd'hui, c'est de pouvoir vous mettre en mouvement vers une vie meilleure. C'est ça ce qui me motive et c'est pour ça que je me lève tous les matins. Alors, dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, est-ce que cette histoire est suffisamment inspirante pour que vous m'accordiez votre attention pendant une heure ou deux? Mettez-moi oui dans le chat pour savoir si c'est OK. Et si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas grave. Vous pouvez quitter la conférence si vous voulez rien changer. C'est OK hein, pour moi. OK, donc on va voir secret numéro 1. Comment gagner 20 000 euros par mois en faisant ce que vous aimez?
Donc, on est fin 2019 et je me retrouve à un séminaire à Marrakech qui s'appelle Business Web au Soleil, organisé par mon ami Gaston. Et c'est là-bas que je rencontre Alec Henry, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est tout à l'heure, je vous parlais de cette conférence Facebook Ads. Et je lui dis, en fait, parce que j'étais en plein de syndrome de l'imposteur, ça faisait 6 mois que je procrastinais, je m'inventais plein d'excuses à la con pour ne pas faire cette conférence, la connexion, y a pas, j'ai mal au cul, enfin bref, je m'inventais plein de conneries, quoi. Et je lui en parle, en fait, et puis je ne sais plus ce qu'il me dit. Mais grosso modo, j'entends ta gueule, fais-le. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Et c'est là, donc, que je vous explique, j'encaisse 14 000 euros en l'espace de 4 heures et que je comprends qu'on peut gagner de l'argent en aidant les gens. Et en fait, ça va au-delà de l'argent. Pourquoi? Parce que vendre sans savoir, en réalité, ce business, il est carrément magique. J'ai toujours dit que professeur, c'était le meilleur métier du monde. Eh ben, vendre sans savoir, c'est exactement la même chose qu'être professeur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez essayé de vous secouer, peut-être que aujourd'hui vous tapez du poing, vous vous dites allez vas-y c'est bon, je me force à faire X, je me force à faire Y, je me force à faire Z, je me force à faire des heures supplémentaires, je me force à lire des livres, je me force à apprendre, je me force à aller dans mon putain de job que je déteste. Et en fait, tu vois, si tu te forces, si tu t'ennuies, si tu es fatigué, si tu n'as pas l'énergie de faire ce que tu crois devoir faire pour changer de vie, c'est tout simplement que ces combats, en fait, ne sont pas alignés avec qui tu es, en fait. Ils sont pas alignés avec ton identité. Et c'est ça le problème de ce que j'appelle les missions héritées. Aujourd'hui, peut-être que tu fais un truc qui ne te plaît pas, qui n'est pas aligné avec avec ton identité, et c'est pour ça que tu te sabotes. C'est pour ça que tu fais rien. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont acheté des formations, et la formation, elle est top, le formateur, il est inspirant, mais vous voyez bien que vous passez pas à l'action, vous faites pas le job. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages émotionnels à l'intérieur. Et la plupart des gens vont avoir tendance justement à nourrir des addictions avec des choses toxiques qui viennent de l'extérieur pour remplir un grand vide à l'intérieur, à force de culpabiliser de ne pas faire le job. Et peut-être que justement, tu vois, un autre exemple de mission héritée, c'est t'achètes la formation d'un formateur à travers un webinar, tu te dis, ouais, c'est trop bien, tu vas gagner ta vie, tu vas... Je sais pas, dropshipping ou Amazon ou n'importe quelle opportunité. Et là, toi, à la fin, tu sors ta CB, tu achètes sa formation et il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le formateur, alors je ne vais pas leur cracher dessus, c'est mes confrères, hein, d'accord? Mais tu t'as hérité de leur mission à eux, en fait. Et c'est pour ça que tu ne fais pas le job. Et là où cette conférence est différente, c'est que moi, je vais vous aider justement à trouver, à comprendre quelle est votre mission. Pourquoi? Parce que dès lors que tu trouves ta mission, dès lors que tu trouves ce qui est parfaitement... Dès lors que tu trouves l'idée de business qui est parfaitement alignée avec qui tu es, tu n'as plus travailler n'est plus un devoir. Travailler devient un plaisir. En fait, c'est même plus du travail. C'est juste, tu vas te lever parce que et faire les choses parce que tu as envie de les faire et non pas parce que tu dois les faire. Tu vois la différence? Et dès lors que tu fais ça, justement, dès lors que tu trouves justement quel est ton super pouvoir, quelle est ta mission, ce pourquoi tu es fait, bah c'est là que tu vas pouvoir avoir de l'impact dans la vie des gens. Qu'est-ce qui se passe, Sandrine? Bah, je te vois mettre plein de points là. Pourquoi tu t'excites? Dès lors que tu trouves justement ton super pouvoir, dès lors que tu trouves ta mission, bah, tous les matins, tu vas te réveiller justement pour impacter la vie des gens. Et comme je vous le disais au début de cette conférence, plus tu vas avoir de l'impact et plus c'est l'argent qui va venir vers toi. Les secrets du business de l'infoprenariat. Alors, à la base, ça s'appelle infoprenariat. Pourquoi? Parce que c'est la contraction entre information et entrepreneuriat. Et selon moi, infopreneur, ça n'a plus de sens aujourd'hui. C'est-à-dire que l'infoprenariat, c'était vendre des formations. Mais selon moi, aujourd'hui, en fait, cette industrie, elle est devenue tellement grande que ça ne se limite plus à de l'infoprenariat. Vous allez voir que... Le business de l'infoprenariat, entre guillemets, aujourd'hui, c'est de la formation, c'est du coaching, c'est être un thérapeute, c'est être un consultant, c'est un prestataire de service. Je vous donne des exemples de gens, de grands entrepreneurs qui font des milliards, qui sont dans le top 5 fortune mondiale. Ils ont trouvé leur mission et ils utilisent leur mission pour faire du business. La mission de Jeff Bezos, le patron de Amazon, c'était tout simplement faire du e-commerce facile, honnête, de grande qualité. Tesla, passionné d'espace, il veut sauver l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des fusées, il veut coloniser Mars. Alors que le mec, à la base, c'est juste un développeur. Il connaît rien au cosmos, à l'aéronautique et tout ça. Bill Gates, voilà, c'était
L'informatique, il a conçu le premier ordinateur et il dit, c'est tellement génial que je veux un ordinateur dans tous les foyers du monde. Mark Zuckerberg, sa mission, en fait, c'était quoi? C'est connecter les gens. À la base, c'était connecter les gens dans son université, et il a vu que ça marchait bien. Il a dit, je veux connecter les gens dans le monde, tu vois. Donc, c'est trouver ta mission, en fait. Et dès lors que tu as découvert quelle est ta mission, quelle est l'idée de business qui est parfaitement alignée avec qui tu es, ben justement, c'est incarner cette mission et essayer de servir le monde grâce à ton super pouvoir. Donc, en quoi ça consiste? Bah, tout simplement, voilà, c'est aider les gens à résoudre des problèmes, comme je viens de vous montrer. Jeff Bezos, il a aidé les consommateurs. Mark Zuckerberg, il a aidé les gens à se connecter. Moi, aujourd'hui, ma famille, je connecte avec elle uniquement à travers Facebook. Et toute la beauté de ce système, en fait, c'est que le business du savoir, on va l'appeler comme ça plutôt qu'infopreneur. Le business du savoir, c'est un truc qui est en pleine évolution, mais de malade. C'est-à-dire qu'il y a Forbes qui a fait une étude et qui estime qu'en 2025, cette industrie pèsera 325 milliards de dollars par an. Je sais pas si tu imagines, si tu arrives à prendre ne serait-ce que 0,0001%. Autre bon plan, c'est que durant le premier confinement, en fait, vous connaissez Zoom, le logiciel pour faire des visioconférences. Donc, ils sont cotés en bourse, ils ont explosé lors du premier confinement. Pourquoi? Parce que les gens, bah, il y a eu l'école à la maison, et puis les gens aussi, quand ils étaient enfermés chez eux, bah, ils ont découvert en fait les nouveaux outils d'Internet. Et vendre son savoir, c'est tellement bien que c'est encouragé et soutenu par l'État avec ce qu'ils appellent les comptes CPF, où aujourd'hui les entreprises payent des taxes qui permettent aux salariés d'acheter certaines formations. Autre avantage et bénéfice, c'est que vendre son savoir, en fait, ça te permet de générer des gros revenus passifs. Par exemple, si tu vends de la formation, bah, que tu vends une formation, 10 formations ou 100 formations, ça ne te prend pas plus de temps. Avantage numéro 2, c'est que c'est très accessible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de stock, tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin de bureau, tu n'as pas besoin de salarié, c'est sans horaire, tu travailles quand tu veux. En plus d'être automatisable à 90%. Et notez que quand je dis automatisable à 90%, regardez, je vais vous troller un petit peu. Mais cette conférence-là, on est en live au moment où je dis ça, mais ça se trouve peut-être qu'on n'est pas en live et qu'en vrai je suis tranquillement en train de siroter un mojito au bord de la piscine et que là c'est une conférence préenregistrée. Vous voyez? Mais je vous rassure, je suis bien en live. D'ailleurs, voilà, j'ai vu Sandrine qui s'excite dans le chat et Slimane qui me dit, je vais te contacter directement pour mettre le plan d'action. Reste jusqu'à la fin de la conférence. Tiens, il y a EPL Coaching, disons que j'ai choisi d'être ici pour l'histoire. Pas pour l'histoire, mais pour trouver une personne qui a vraiment envie de partager et de donner. Parce que ce que je suis en train de faire, hein, et non de faire un business comme on trouve ailleurs, je fonctionne au feeling, pas aux histoires, mais je connaissais ton histoire avant de m'inscrire. J'ai fait mes recherches. Bienvenue, EPL Coaching. Et donc voilà, ce qui est vraiment bien, c'est que plus tu as d'impact et plus tu es payé. C'est simple, tu es payé à la hauteur de l'impact que tu as sur la société. Si tu n'as pas d'impact, si tu n'as pas de clients heureux et satisfaits, tu ne gagnes pas d'argent. Mais si tu arrives à impacter tes clients, ils parlent de toi, tout simplement. Comme voilà, parmi vous, il y en a qui ont des gens. Dites-moi dans le chat qui a déjà entendu parler de moi. Donc, tout à l'heure, je vous disais, vendre son savoir, aujourd'hui, ça ne se limite plus à la formation. Et là, je vais vous donner les différents types de produits que vous pouvez vendre. Vous pouvez vendre de la formation, soit en ligne, soit en présentiel. Donc, en présentiel, face à face, quand il n'y a pas de confinement. Vous pouvez vendre du coaching, soit en ligne ou présentiel. Et ce coaching peut être groupé ou individuel. Tu peux créer des séminaires en ligne ou même présentiel dans des hôtels, ou même proposer des immersions, des retraites, des séjours ou des masterminds. Tu sais, c'est quand vous êtes à 5 dans un hôtel, dans une villa, dans un hôtel particulier, en privé, quoi. Et l'idée, en fait, tu vois, c'est donc trouver quelle est ta mission. Comprendre quel problème ta mission permet de résoudre, qui en a besoin et proposer à ces gens-là de résoudre le problème à travers différentes expériences. Ces différentes expériences sont celles que je viens de vous afficher. Par exemple, demain, tu vous proposes aux obèses de maigrir, bah, tu vois, tu peux les aider à travers différentes expériences, la formation, le coaching, les séminaires ou les immersions. Et l'idée, en fait, c'est de créer carrément une gamme d'offres complète, c'est-à-dire un écosystème, par exemple. Moi, par exemple, je le fais, tiens. Dans mes programmes, il y a de base la formation en ligne, puis ceux qui veulent aller plus loin peuvent opter pour le coaching en ligne, soit groupé, soit individuel.
Je pourrais également faire des séminaires en ligne ou présentiel. Personnellement, j'ai plus envie de faire du présentiel, mais bon, avec le corona, c'est compliqué. Et de temps en temps, j'organise des immersions ou des masterminds où des entrepreneurs et moi me payent très cher pour que je continue de les aider à amplifier leur business sur un délai très restreint avec une expérience de malade où on se retrouve tous à Marrakech. Et l'idée, donc voilà, c'est de proposer différentes expériences comme la formation, le coaching, ça peut être de la prestation de service aussi où tu peux faire pour tes clients ce qu'on appelle le « done for you » et tu peux même dans certains cas, en fait, tu vois, dans ta gamme d'offres, dans ton écosystème, proposer un commerce physique dans le dur ou un commerce en ligne. Par exemple, je sais pas, si demain j'étais prof de yoga, je propose des formations de yoga, je propose des ateliers de yoga présentiels, je propose des immersions, des retraites, 5 jours de yoga à Marrakech. Et en plus de ça, je peux avoir mon e-commerce dans lequel je vends les accessoires de yoga. Tu vois, ainsi, dès qu'il y a un client qui rentre, ta mission, c'est de le satisfaire et donc de lui offrir tout ce qu'il te dit avoir besoin pour obtenir une véritable transformation. Et la véritable transformation, on va en parler un petit peu plus tard. Ça vous parle là ce que je dis jusqu'à présent? Vous êtes 172 auditeurs connectés. Alors, je vous trouve timide, hein. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans le chat. Donc, soit il y a un bug quand je vois écrit 172, soit vous êtes endormi, soit vous êtes timide, soit vous êtes trop concentré sur ce que je dis. Donc là, je vous propose qu'on fasse une petite pause, s'il vous plaît. Répondez-moi dans le chat. Dites-moi si ça vous parle tout ce que je dis avec vous là. Est-ce que ça vous inspire? Mettez-moi oui. Faites-moi kiffer. Donnez-moi 10% de ce que je vous donne. Alors, Sylviane, quand je dis création de la méditation, c'est juste un exemple, hein, tu vois, que tu peux vendre ton savoir pour vraiment absolument tout, sans exception. Et je vais vous montrer le sans exception. Peut-être qu'il y en a parmi vous là qui se disent « Ok, c'est top ». Mais je vois pas en quoi ça me concerne. Si vous avez des objections, tiens, dites-les moi dans le chat. Je vous donne des exemples d'objections qu'on pourrait me dire, qu'on m'a déjà dit. Ah, mais c'est pas fait pour moi parce que je suis garagiste, ou alors je suis thérapeute, ou je suis fleuriste, ou je suis restaurateur. C'est pas fait pour moi parce que je suis avocat, ou parce que je suis agent immobilier. C'est pas fait pour moi parce que je suis courtier ou trader. C'est pas fait pour moi parce que moi je suis développeur, je crée des logiciels. C'est pas fait pour moi parce que je suis blogueur ou influenceur. Et ben pour tout ça, en fait, tu peux créer un écosystème. Par exemple, tu es garagiste. Demain, si moi je suis garagiste, je pourrais vendre des formations customiser ma voiture, réparer ma voiture. Je pourrais même créer une formation comment retaper une voiture. Tu vois, parce que je sais qu'il y a des passionnés hardcore de customisation comme ça de voiture. Ou je pourrais même créer une formation comment devenir garagiste, comment ouvrir son garage. Pareil pour le thérapeute. Donc je pourrais, si j'étais thérapeute, soit je pourrais créer une formation, voilà comment changer ta vie grâce à ma forme de thérapie. Je pourrais créer une formation comment devenir thérapeute professionnel. Si j'étais fleuriste, je pourrais créer une formation comment créer son potager. Grosse niche, ce truc-là. Si j'étais restaurateur, je pourrais faire des formations cuisine, des ateliers de pâtisserie. Je pourrais faire une formation pour les serveurs. Je pourrais faire une formation pour les snacks. Je pourrais faire une formation marketing pour les restaurateurs. Ou je pourrais faire une formation ouvrir un restaurant, comme c'est le cas de Valérie que je vais vous présenter tout à l'heure. Si j'étais avocat, bah, je pourrais faire une ou plusieurs formations, je sais pas, tiens, comment gérer au mieux votre divorce, tu vois. Je leur vends la formation ou la formation et après je leur vends en plus l'accompagnement. Si j'étais agent immobilier, je dirais, je pourrais faire une formation, comment faire la décoration pour vendre plus vite, comment trouver des biens, comment devenir agent immobilier si j'étais courtier. Bah, tiens, j'ai un exemple. Alors, je vais pas vous en parler aujourd'hui, parce que j'attends son témoignage. C'est celui de Teddy, qui est gestionnaire de patrimoine et donc courtier, et qui a fait des formations en gestion de patrimoine, qui a fait des formations sur renégocier sur le crédit, sur le courtage, et qui a fait une formation aussi comment devenir gestionnaire de patrimoine, comment gagner 15 000 euros par mois en devenant gestionnaire de patrimoine. Tu vois, c'est-à-dire, il vend son métier. Pareil pour trader, tu vois. Si tu es éditeur de logiciel, tu peux créer une formation. Comment utiliser, par exemple, je vais donner un exemple. Tu édites un CRM, un logiciel de CRM. Tu vas créer une formation. Comment développer votre entreprise grâce à un CRM. Une fois qu'ils ont acheté la formation, tu leur vends en plus le CRM. Et s'ils ont besoin de customisation dans le logiciel, boum, tu vends de la prestation done for you, tu vois.
Si tu es blogueur, bah, il est probable que tu maîtrises un ou plusieurs sujets. Donc, tu peux créer plusieurs formations. Si tu es influenceur, tu as déjà une grosse audience. Et si cette audience, elle te suit, c'est bien pour que tu leur inspires quelque chose, tu vois, et que tu es déjà dans ta mission. Donc, à partir de ta mission, tu peux créer un, voire plusieurs produits, comme le fait Chloé Bloom, par exemple. L'idée, tu vois, c'est que peu importe ton marché, en fait, tu crées un écosystème avec. Certains vont utiliser tous les produits que je vous ai parlé et d'autres vont utiliser seulement un ou deux produits. Mais l'idée, c'est que à partir de ton talent, crées un écosystème. Formation, coaching one-to-one, coaching groupé, prestations de services, consulting, done for you, immersion. Alors, Kim, tu dis, moi, ma situation est particulière. Sache que on a tous, la situation de tout le monde est particulière et le truc, moi, mon cas, c'est particulier. Je le connais par cœur, on me dit tout ça. Donc, je t'invite à dire, alors, qu'est-ce que tu dis? Je sors d'une rupture associative sur un business de formation IMO qui cartonnait et là, je rebondis. Eh bien, écoute, c'est fait pour toi, Kim, tout simplement. Tu es au bon endroit. Vasken qui dit, si tu es menuisier, eh bien, sache qu'il y a des gens qui sont passionnés de menuiserie et que justement, tu pourrais faire une formation là-dessus, tu vois, soit pour les particuliers qui veulent se détendre, soit pour les professionnels, soit même demain, tu peux faire une formation marketing pour les menuisiers, tu vois. Si aujourd'hui, toi, tu arrives à vivre de ton activité, tu peux aider les autres à vivre. Mais Vasken, en fait, je crois que ça fait très longtemps que tu es dans mon audience. Je crois qu'une fois, on a échangé des emails, toi et moi. Séverine qui dit, je suis trop concentré. Patrick Menuisier, si tu apprends au bricoleur du dimanche à bien travailler le bois. Ouais, tout à fait, bonne idée, Patrick. Donc, voici Valérie, que j'ai eu la chance d'accompagner, en fait, qui avait rejoint l'un de mes programmes. Elle avait acheté la formation Facebook Ads, donc la publicité Facebook à l'époque. Parce qu'elle faisait du e-commerce, elle faisait du dropshipping. Pourquoi elle faisait ça? Parce qu'elle avait peur de montrer son visage. Et en fait, Valérie pensait ne pas avoir de potentiel. En fait, elle pensait qu'elle ne savait rien faire. Et il y a un truc, tu vois, comme je vous disais, moi, je suis vraiment animé par le fait de vous mettre en mouvement et changer de vie. Vraiment, ça, c'est ma raison d'être aujourd'hui, tu vois, vraiment. C'est pour ça que je me lève le matin. Et donc, tu vois, tous les clients, en fait, tous nos clients, sans exception, on les appelle. On les appelle régulièrement déjà pour faire leur connaissance, mais aussi pour comprendre de quoi ils ont besoin pour changer de vie. De quoi ils ont vraiment besoin? Quels sont les vrais blocages émotionnels qu'il y a à l'intérieur? Et donc, je parle avec elle et je fais un petit coaching. Je fais ce qu'on appelle le Ikigai, en fait. C'est un concept japonais dont je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, je vais rester jusqu'au bout. Et là, la magie opère. Il se passe quelque chose de très puissant dans la vie de Valérie. Et j'espère que je ne vais pas pleurer parce que chaque fois, son témoignage, il est tellement touchant qu'à chaque fois, je suis super ému de ouf. Et je pense que vous aussi, ça va vous émouvoir. Donc, Valérie, voilà, elle a peur de montrer son visage. Elle est timide. Elle fait du dropshipping pour gagner sa vie. Voilà, elle est vraiment dans une mission héritée parce qu'il n'y a personne qui l'a encouragée, parce qu'on lui a dit qu'elle n'était pas capable, en fait, certainement, quand elle était plus jeune. Je lui pose des questions et en fait, je découvre son talent, en fait. Et toute sa vie, vous moquez pas, hein. C'est une asiatique, c'est un chien asiatique. Vous moquez pas, s'il vous plaît. Toute sa vie, toute sa famille, ils sont dans le restaurant et connaissent la restauration par cœur. Et en fait, pire encore, c'est que en Chine, elle a une agence de design pour les restaurants. Mais elle n'était pas consciente de son talent. Je sais pas si vous imaginez. Elle avait ce truc en Chine là pour servir sa famille. Elle n'était pas consciente de son talent. Et là, je lui retourne le cerveau et voilà ce qui arrive. J'ai pris la formation de Rudy il y a maintenant 6 semaines et dès que j'ai activé le bon de commande, Rudy m'a appelé tout de suite après pour son appel pour l'appel d'accueil et il m'a demandé quels étaient mon objectif. Je lui ai dit que je voulais juste booster mes ventes pour ma boutique e-commerce que j'ai montée il y a déjà 8 mois, qui n'arrivait pas à décoller. Et tout de suite, il m'a dit non, mais arrête tout de suite ça, le e-commerce, ça ne va pas te générer de l'argent immédiatement. Si tu veux absolument faire de l'argent et du cash le plus vite possible, si tu veux que ta vie change en moins d'un mois, en moins de 2 mois, lance-toi dans le webinaire. J'avais vraiment, vraiment du mal à croire ce message. Et encore plus, faire du webinaire, si je faisais du e-commerce, c'est parce que tout simplement, je ne suis pas à l'aise devant la caméra, je ne suis pas forcément à l'aise. À parler comme ça et à me vendre en fait, j'avais cette peur incroyable. Il m'a convaincu que j'avais une expertise dans le domaine de la restauration
Et du coup, bah, je me suis lancée. Je me suis vraiment, vraiment. J'ai vraiment pris sur moi. Et j'ai lancé ce webinaire la semaine dernière. J'ai mis 1700 euros de publicité et j'ai généré aujourd'hui, en moins de 5 jours, 6000 euros. Donc, c'est un petit succès à mon niveau, mais franchement, faire une telle marge en 5 jours, j'aurais jamais cru ça possible. Aujourd'hui, j'ai encore du mal à y croire. J'ai l'impression que c'est peut-être un coup de chance, alors que j'ai eu quand même pas mal de problèmes techniques pendant le webinaire. Ça a été catastrophique, presque traumatisant. Et là, en fait, Rudy me pousse sans arrêt pour le lancer toutes les semaines parce que il est persuadé que ça va fonctionner. Et ça fonctionne parce que là, j'ai fait j'ai fait un fois trois, quoi. Donc, bah, j'espère que ça va donner des résultats encore plus forts. Et j'avoue que j'ai du mal à y croire tellement c'est hallucinant. Donc, ça veut dire qu'en moins d'une semaine, j'ai fait 4 000 euros de bénéfices. Sans parler du potentiel des clients derrière qui vont sûrement prendre du coaching personnalisé, du mentorat, des prestations de design, des prestations de services divers et variés. Donc, voilà, écoutez, je peux que recommander la formation et surtout le coaching de Rudy qui est quand même, oui, il a une manière directe, il mâche pas ses mots, mais au moins il vous montre la réalité en face. Donc voilà, bon courage pour vos projets. Pas de son, pas de son, pas de son. Merde, je suis dégoûté. Alors dites-moi, les gars, est-ce qu'il y avait le son dans le témoignage de Valérie, s'il vous plaît? Marquez-moi Valérie, oui, le son, s'il vous plaît, pour que je sache que... Oui, reprends après le témoignage. OK, donc je disais, je viens d'envoyer un sondage. Est-ce que vous pensez que cette opportunité, elle s'applique à vous? Réponse 1, oui, absolument. Réponse 2... oui, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Réponse 3, non, pas pour moi. De manière à ce que moi, je puisse utiliser vos réponses pour mieux conduire la suite de cette formation que je veux interactive au maximum, ce qui pourrait vous permettre d'obtenir non pas seulement une formation lors de cette conférence qui est en live, je le rappelle, mais carrément de transformer cette conférence en coaching. Mon métier, c'est business coach. Mon métier, mon super pouvoir, en fait, c'est vous aider à éclater toutes les croyances limitantes qui sabotent les résultats que vous pouvez obtenir. J'ai des clients qui me payent 2000 euros de l'heure pour 1 heure parce qu'ils savent que je débloque des choses tellement profondes et puissantes qu'ils gagnent 10 fois plus derrière. Donc là, même si vous n'avez pas d'argent, je vous invite tout simplement à me dire aujourd'hui quels sont vos blocages
là, par rapport à cette opportunité, pour que justement je vous débloque et je vous prouve que vous pouvez bénéficier de cette opportunité. Marquez-moi le son OK, s'il vous plaît, parce que je reçois encore des messages, j'ai pas le son, à cause de cette latence de 60 minutes. C'est revenu. OK, donc, je vais voir si vous avez répondu au sondage. Si c'est pas fait, faites-le. J'ai 30 réponses sur les sondages pour le moment. 50% qui ont dit oui, absolument. 50% qui ont répondu ne pas être à la hauteur. 0% qui ont répondu non, définitivement, c'est pas pour moi. Peut-être parce que ceux-là, ils sont partis, j'ai vu tout à l'heure. Waouh, vous êtes 202 connectés. Super. Donc, faites les efforts. Je veux voir plus de monde qui répond au sondage, s'il vous plaît. Et je regarde dans le chat. Donc, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Séverine qui dit bonjour à tous. Tout ce que j'espère, c'est que tu m'accompagnes sur place. Je t'ai envoyé un email. Écoute, je ne réponds pas aux emails, Séverine. Par contre, là, lors du chat, je vais vous répondre. Et donc, si vous avez des blocages, parlez-en maintenant. Comme ça, on débloque ça tout de suite et je passe à la suite au secret numéro 2. Sophie, je me forme à tes côtés. On avance ensemble. Sky is the limit. Josia qui dit je connais personne, mais je suis impressionné. OK. Pas de blocage. Stop le suspense. Partage, s'il te plaît. C'est inspirant, merci pour le partage. Appel coaching, disons que j'ai choisi d'être ici. Non, mais ça, j'ai déjà vu, en fait. Donc, c'est cool, il n'y a pas de blocage. Véronique, j'ai pas de blocage, juste un choix à faire au niveau de mon produit. Oui, absolument, OK pour le son. On ne sait pas ce que tu proposes. Denis, là, pour le moment, on n'est pas à qu'est-ce que je propose. On est plutôt à est-ce que tu penses que vendre son savoir va te permettre justement de changer de vie, de vivre la vie de tes rêves et surtout d'offrir une vie meilleure à ce que tu aimes. C'est quelque chose qui est très important pour moi, ça, en fait, par rapport à mon histoire, à mon passé. Et j'avoue que je me sens plus à l'aise d'aider les gens justement qui veulent avoir de l'impact. Blocage, je dirais, le financement et le fait de devoir construire la formation. Ah bah tu vas kiffer la suite, EPL Coaching. Slimane qui dit j'ai un master en marketing, développement commercial, j'ai quelques notions de base de coaching. Alors Slimane, tu vois, si tu as un master en coaching, pose-toi la question, en marketing, est-ce que c'est une mission héritée ou est-ce que c'est ce qui te fait vibrer, tu vois? Niels, je ne suis pas sûr de disposer d'un talent suffisamment vendeur. C'est quoi tes talents, Niels? On va voir ça. Slimane, mon blocage est de financement des formations. Sachez que l'argent est très rarement un problème. Rappelez-vous, moi, quand je me suis lancé, c'est simple, je comptais les centimes pour aller acheter des pâtes. Du jambon et du fromage. Mes enfants, ils avaient le jambon, les pâtes et le fromage. Et leur maman et moi, on mangeait juste les pâtes tout seul. Donc vraiment, j'étais comme ça. J'avais pas d'argent. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour avoir l'argent? Et dites-vous bien que moi, j'avais des contraintes familiales. J'étais déjà père de famille. Tu vois, quand tu es célibataire, c'est facile. Tu peux bouffer des pâtes et prendre l'argent de ta paye pour faire ce que tu veux. Moi, à cette époque-là, vraiment, c'était dur. Et le crédit, c'était la seule possibilité. Alors Reda qui dit va droit au but, sinon le webinar va durer une semaine. Écoute Reda, je vais au rythme que je veux et que j'estime bien pour vous aider à vous mettre en mouvement. Parce que c'est ça, tu vois, je ne veux pas juste faire un pitch comme ça. Non, j'ai envie de vous aider sincèrement avec le cœur à débloquer justement vos croyances et vos blocages internes. Nassira qui dit je suis un peu dans le flou, j'aimerais bien que quelqu'un me débloque, j'ai du potentiel, mais je n'arrive pas à démarrer, s'il vous plaît, aidez-moi, je serai reconnaissante. Ok, Olivia qui dit blocage moyen financier pour avancer. Encore une fois, l'argent n'est pas un problème. C'est très, très rarement un problème, l'argent. C'est surtout en général, on sait comment obtenir l'argent, mais on ne s'accorde pas la chance d'aller obtenir l'argent parce qu'on ne s'aime pas assez, on estime ne pas mériter de laisser l'abondance entrer dans notre vie. On en reparlera ça, si vous voulez, à la fin du webinar dans la question-réponse. C'est très spirituel et c'est un des plus gros blocages qu'on travaille justement dans l'académie. Kim qui dit ma mission, je la connais, je suis un facilitateur, ok, Samba, j'ai pas de compétences particulières, mais motivation de malade, ok, bah tu vois, c'est peut-être une compétence justement, cette motivation de malade. J'ai un gros travail charismatique à effectuer. Sylviane, sache qu'en fait, on a tous du charisme et que quand on n'ose pas exprimer son charisme, c'est tout simplement qu'on n'ose pas exister en fait et prendre de la place et briller. C'est un blocage émotionnel en fait. Ce n'est pas que tu n'as pas de charisme, c'est que tu ne t'autorises pas d'avoir du charisme. Reda, Rudy, je présente avec toi. OK, cool. Marley qui dit, moi, c'est créer la campagne sur Facebook. J'ai un peu de difficulté. OK. Kim qui dit, pareil, un travail charismatique à faire. Alors, regardez, je vais vous poser une question. Est-ce que vous me trouvez charismatique? Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Donc, je m'adresse à ceux qui vont répondre oui. Pourtant, vous avez vu, je fais des fautes de français, je bafouille, je m'exprime mal, je cherche mes mots.
m'avez peut-être, j'arrive pas à parler, m'avez peut-être même vu positionner tout à l'heure quand je parlais. Vous avez vu toutes les fautes d'orthographe dans les slides. Et pourtant, moi, j'estime que je suis charismatique, entre guillemets. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ose, en fait, tu vois. Et j'ai décidé de, d'être, en fait, qui je suis, tu vois. Et de dépasser ces blocages que j'avais. Enfin, si vous m'aviez vu enfant, jamais vous auriez misé sur moi. J'étais la victime, j'étais introverti. Vous savez, au collège, en EPS, j'étais le mec, les chefs, là, les mal alpha, ils se disputaient pour pas que je sois dans leur équipe. Tu vois. Et aujourd'hui, voilà, bah, je fais cette conférence devant 211 personnes, là, en ce moment. J'ai été ce big boss et je gagne beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois. Tout simplement, voilà, j'ai décidé de dépasser ça. C'est vraiment de la décision. Niels qui dit talent public de relations, ok, ça c'est super. J'ai travaillé en coopération de développement pour les ONG, ok. J'aime aider les populations défavorisées grâce à mes compétences en finance. Ah, génial, c'est top ça, Niels. Véronique, elle me produit et découvrir le blocage derrière le challenge. Babacar, blocage, proposez-moi un business rentable. Non, Babacar, moi je t'ai déjà proposé un business rentable, en fait, c'est vendre ton savoir. Et après, c'est à toi de trouver pourquoi tu es fait. Parce que si je te dis, tiens, fais du dropshipping, mais c'est une mission héritée et tu vas t'auto-saboter et ça va pas marcher. Tous ceux qui cartonnent en dropshipping, c'est parce qu'ils adorent ça, ils adorent le marketing digital, tu vois. Mais vraiment, c'est pas, ils le font parce que, et quelqu'un qui a dit on peut gagner de l'argent, c'est parce qu'ils adorent ça, c'est leur raison d'être, en fait, tu vois. Vous avez vu l'énergie, comment j'ai les yeux qui sont grands quand je parle de ça. Slimane, mon objectif, c'est coach en marketing, en développement commercial, développement personnel et aider à réaliser les objectifs. Je suis sûr que c'est un des trois, c'est pas les trois à la fois, Slimane. Sylviane, oui, c'est ça, j'ose pas. Voilà, il suffit simplement d'oser. Et si demain, on t'accompagne, bah, crois-moi que tu vas oser. Appel coaching qui dit ne change rien, tu es un personnage, tu es unique. J'adorais, total respect pour ton parcours. Oui, je suis charismatique et voilà, pourtant, je postillonne, je m'exprime mal, tout ça. Et vous aussi, si vous voulez, vous pouvez être comme moi ou comme Valérie qui n'osait pas, qui est la première fois, quand elle a fait une conférence, elle était timide, elle se pissait dessus et pourtant, vous savez quoi? Pire, elle m'appelle, elle dit « Ouais, c'est écran noir et tout, la catastrophe ». Elle a repris le truc et en fait, elle était tellement authentique et tellement dans sa mission que les gens, pendant 15 minutes, il y avait l'écran noir, ils sont restés pour attendre que ça revienne. Allez, on va continuer. Charles qui dit félicitations, tu ne laisses personne détruire tes rêves. Alors si, détrompe-toi, justement, j'ai laissé des gens les détruire dans le passé. Kim, tu as une certaine forme de charisme, je pense surtout que tu t'assumes et que tu as confiance. J'avais pas confiance, je me suis donné cette confiance. En fait, prenez de quoi noter. L'échec n'existe pas. L'échec n'est qu'une création de l'esprit pour justifier notre peur d'affronter l'inconfort. C'est-à-dire que dès lors que tu décides de réussir, tu vas réussir. Alors, il y a des gens qui réussissent en 4 semaines, d'autres à qui ça va prendre 4 mois, d'autres à qui ça va prendre 4 ans. Et les seuls qui vont connaître des échecs et qui ne vont pas réussir sont ceux qui vont abandonner face aux obstacles. Ceux qui vont chouiner, qui vont pleurnicher dès qu'ils vont prendre une balayette. Bim! Parce que, crois-moi, qu'entreprendre, tu vas en prendre des balayettes. En fait, entreprendre, c'est quoi? C'est résoudre des problèmes. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit, tu as l'état d'esprit, comment on appelle ça? Un état d'esprit de croissance où tu embrasses les difficultés et les échecs parce que c'est elles qui te forment. Tu apprends bien plus dans l'échec que dans la réussite. Soit tu es dans un état d'esprit qui ne bouge pas. Et dans ce cas-là, tu vas rester salarié toute ta vie et rien qui va changer. Mais tu vois, c'est un choix en fait. On a tous le pouvoir sans exception. À moins que tu sois sain d'esprit, d'accord? Mais même demain, même tu es muet ou tu es sourd ou tu es aveugle, tu peux faire quelque chose, il y a toujours quelque chose. On va prendre l'exemple, c'est Stephen Hawking, qui est un grand astrophysicien. Depuis l'âge de 12 ans, on lui dit qu'il lui reste 12 mois à vivre. Et le mec, il a vécu 80 ans, c'est lui qui a découvert l'énergie sombre, il a fait des travaux de ouf. Tu vois, alors que le mec, il a la maladie de Charcot, il est comme ça dans un fauteuil, tu vois. ok, Marley, s'il te plaît, tu évites de spammer 15 fois avec le même message. Ah, il y a quelqu'un qui pose une très très bonne question. Reda, comment trouver sa mission de vie quand on est salarié toute sa vie? Eh bien justement, on va y venir dans le secret numéro 2. Philippe, comment transmettre mon savoir en cuisine et en charcuterie? Ben, génial, en fait, tu peux vendre des cours de cuisine. Tu peux, il y a un copain qui est business coach aussi, qui accompagnait quelqu'un, qui vend des cours de pâtisserie, en fait, et qui a fait 1 million d'euros en 8 mois, tu vois, en vendant des formations en ligne de pâtisserie. Et hors confinement, elle peut rouvrir son labo et faire du coaching groupé dans son labo, dans sa pâtisserie, tu vois. Et quand ils repartent, elle peut leur revendre les accessoires pour la pâtisserie.
Tu voyais un petit peu la magie de l'écosystème. La charcuterie, pareil, voilà, tu vois. Je t'ai besoin personnellement. Babacar, si tu as besoin de moi personnellement, je serais très ravi de t'aider, peut-être, si tu restes jusqu'au bout de la présentation. Glory qui dit, je suis passionné de langue arabe et je veux partager ça. Très, 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 très gros marché. J'ai un des copains, un de mes amis, qui est leader dans les cours d'arabe. C'est un très, très gros marché. Et c'est, tu vois, il fait ça vraiment parce qu'il est aligné avec sa mission. Donc, il est musulman. Et en fait, tu vois, il vend des cours d'arabe pour pratiquer sa foi, pour aider les musulmans à mieux pratiquer leur foi. Donc, il est vraiment dans la mission. Et donc, il y a les cours, ils vendent des Corans, ils vendent les tapis. Et je crois que bientôt, ils vont organiser des hajj, enfin, les pèlerinages, tu vois. Écosystème. EPL Coaching qui dit tout à fait, j'ai tout perdu, et même pas au RSA, de l'assurance, un cancer, un divorce, tout en même temps. Ouais, mais tout ça, c'est des. Bah, si t'es coach, tu sais que c'est juste des cadeaux de la vie pour devenir meilleur. C'est pas facile, c'est douloureux, mais tu vas en ressortir meilleur. France qui dit accompagnement, coaching financier, mais c'est sur un business model que tu n'affectionnes pas. Cef, j'ai un entretien avec Sophia. 28 juin. Donc, j'imagine, France, que tu fais du MLM, si c'est bien toi. C'est pas que j'aime pas le MLM, c'est que quand tu fais du MLM, tu travailles pour quelqu'un d'autre, en fait, et tes commissions, elles sont tellement minces que tu ne peux pas investir dans ta croissance. En vérité, quand tu fais du MLM, tu n'es pas un entrepreneur, tu es juste un indépendant. Et France, tu sais, t'as pas idée du nombre de personnes que j'ai accompagnées qui étaient dans des MLM, qui étaient comme toi, qui étaient fous amoureux de leur MLM, qu'un beau jour, ils ont ouvert les yeux, ils sont sortis de cette merde, et ils sont, créer leur propre business, tu vois. Et si tu fais du coaching financier, fais-le toi-même en dehors du MLM. Et là, tu vas gagner de l'argent. Crée ton propre mouvement. Nassira qui dit, je vous fais confiance, ne m'oubliez pas. Écoute, Nassira, c'est pas à moi de ne pas t'oublier, mais c'est plutôt à toi de ne pas m'oublier. Reste jusqu'au bout de la conférence. Allez, on va passer au secret numéro 2. On est à combien de temps? Ça fait 1h, 2h, 11 qu'on a commencé. Waouh, je vais faire une conférence qui n'avait pas duré plus de 2h. Et on s'éternise de ouf. Mais bon, vous avez vu, il y a beaucoup d'impact, il y a des interactions et tout, c'est cool. J'ai vraiment envie de vous aider à vous mettre en mouvement. Et je vous promets que ceux qui restent jusqu'au bout pourraient voir littéralement leur vie changer dans les semaines à venir. Alors, je regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ok, super. Donc, on continue, je vais remettre le partage d'écran. Tac. Tac, donc a priori, c'est bon, vous êtes convaincu de l'opportunité, mais peut-être que vous rencontrez encore des obstacles comme je n'ai pas d'idée, je ne suis pas compétent, je ne sais pas expliquer, peut-être que c'est ça ce que vous vouliez dire, comme vous disiez, je manque de charisme. Attendez le secret numéro 2, la suite va vous surprendre. Donc secret numéro 2, comment trouver l'idée parfaitement alignée avec qui vous êtes ? On est en 2008, il vient de me lancer, et mais je suis nul, enfin, tout ce que je sais faire, c'est porter des assiettes, en fait. Et je me lance sur Internet, et donc je décide de créer un blog qui s'appelle discodog.fr pour partager ce que j'apprends au fur et à mesure. Et ce blog, en fait, donc c'est quoi? C'est l'histoire d'un mec qui est serveur et qui rêve de gagner sa vie sur le net. Alors, je vous explique. Au début, je me fais passer pour expert et tout, et je me sens bien, il y a un truc qui va pas, en fait. Ça va pas. Je sais que je suis pas expert, en fait. Et donc, tout simplement, je décide de casser le truc. Et sur mon blog, en fait, dans la barre latérale, j'explique, en fait, je dis, voilà, je m'appelle Rudy Somme, je suis serveur et je rêve de gagner ma vie sur le net. Et donc, je partage sur le blog tout ce que j'apprends. Et ça me permet plusieurs choses. Un, ça me permet d'obtenir l'attention de mes pairs, c'est-à-dire l'attention des gens qui font comme moi, qui gagnent déjà leur vie sur Internet. Et là, je me rends compte d'un truc, c'est que plus je partage, et plus je prends du plaisir, et plus je prends du plaisir, et plus ça devient facile. En fait, je suis en train d'entrer dans ce qu'on appelle ma zone d'excellence. Si vous avez lu le livre de Guy Hendrix, qui s'appelle The Big Leap, le grand saut, en fait, il explique que dans notre vie d'entrepreneur, on va passer par différents stades. Le premier, c'est l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire, attends, je vais enlever le partage d'écran, parce que autant que vous me voyez en face. Donc, le premier stade, c'est incompétence inconsciente, ou t'es pas compétent, mais tu le sais pas. Et en fait, bah, ces gens-là, ils vont rester des losers toute leur vie, en fait. Ils vont pas évoluer. Et puis, un beau jour, tu as un déclic et tu comprends que tu n'es pas compétent. Et là, c'est bien parce que tu vas pouvoir activer, en fait, ta croissance. Tu vas pouvoir te mettre en quête d'informations. Et au fur et à mesure que tu vas collecter des informations, tu vas entrer dans une nouvelle phase dite
compétence inconsciente, c'est-à-dire que tu es devenu compétent, mais tu ne t'en rends pas compte. Et plus tu vas pratiquer, et plus tu vas partager, en fait. Donc moi, c'est à travers un blog. Mais aujourd'hui, tu peux partager à travers une chaîne YouTube, à travers Instagram, à travers Facebook, à travers des stories, à travers un blog, à travers Pinterest, à travers un podcast, à travers tout ce que tu veux. Et plus tu vas réaliser que tu vas avoir de l'impact dans la vie des gens. C'est-à-dire que moi, donc, je partageais ce que j'apprenais au fur et à mesure sur ce blog, et il y avait des professionnels du référencement, des agences web, de création de sites, qui commençaient à commenter, qui disaient « Ah, c'est bien ». Pourquoi ? Parce que ça confortait les idées qu'ils avaient, que certains avaient, et j'apportais aussi au fur et à mesure de nouvelles choses. Mais je n'étais pas conscient au début que j'apportais des nouvelles choses. Et de fil en aiguille, en fait, petit à petit, on commence à m'inviter à faire des conférences. Waouh, moi, le petit mongolien sans diplôme qui portait des assiettes, on m'invite à faire des conférences. Et là, carrément, on m'écrit sur le blog pour me demander de faire du consulting, de la prestation de service. Et c'est là que j'ai fait mes premières formations et mes premiers coachings. On me paye 2000 euros par jour. Et tu sais quoi, attends, ça tremble trop quand je fais comme ça. C'était des gens qui étaient bac plus 5, bac plus 6 et qui me disaient parfois, vous dites en fait, si on a besoin de toi, c'est tout simplement parce qu'on a besoin, on voudrait que tu nous aides à nous déformater, tu vois, et à penser différemment. Donc, tu vois, en fait, mon manque de diplôme plus mes recherches autodidactiques m'ont permis de développer d'autres super pouvoirs et un mode de pensée alternatif dont le marché avait besoin. Moralité de l'histoire, tu peux te lancer même si tu n'es pas compétent. L'idée, c'est juste te former et partager le plus possible. Et tu vas voir que plus tu vas rendre à l'univers ce que l'univers t'a donné, et plus tu vas voir qu'il y a de belles choses qui vont arriver. Donc, tu vois, ce fut long, mais facile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais dans mon ikigai, c'est-à-dire que j'avais tout simplement trouvé ma voie. Je trouvais ça épatant, Internet, fascinant, à vrai dire même. Et donc, c'était facile, tu vois, pas un seul jour, je me suis forcé. Notez au passage, là, pour ceux qui vont dire, qui sont comme moi, en fait, ou dyslexiques ou quoi, je faisais plein de fautes d'orthographe sur mon blog. Et les gens me disaient, en fait, ça pique quand on lit, mais c'est tellement, tellement génial ce que tu partages. Et aujourd'hui, tu vois, si tu es comme moi, tu sais pas écrire ou que tu n'aimes pas écrire, fais des vidéos. Si c'est moi, tu te trouves moche, tu sais pas faire de vidéos et que tu n'aimes pas écrire, fais un podcast, tu vois. Et si tu ne veux pas parler, bah, écris des articles de blog, tu vois. Mais il y a ceux qui trouvent des excuses et ceux qui cherchent des solutions. Mais tu vois, il y a toujours une solution, toujours. C'est juste, est-ce que tu te donnes le temps de trouver la solution? Donc, voilà, ça avance. Et voilà comment on fait pour trouver sa mission. Donc là, ce que je vous présente, là, cette rosace, c'est le concept de Ikigai. Donc, c'est un concept japonais qui vient de la ville d'Okinawa, au Japon, qui contient le plus grand nombre de centenaires au monde. Et en fait, c'est toute une philosophie de vie qui consiste à se comprendre, à comprendre en fait qui on est, quelle est notre identité, quelle est notre raison d'être, quelle est notre mission. Donc, comment on fait ça? Donc, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à voir là-dessus. C'est que l'ikigai, en fait, donc tu vois, c'est on a une rosace avec quatre cercles. Avec le cercle rose, il y a ce que tu aimes. Cercle bleu, ce pourquoi tu es doué. Cercle vert, ce dont le monde a besoin. Cercle jaune, ce pourquoi tu es payé. Et quand ce que tu aimes croise ce pourquoi tu es doué, tu es dans ta passion. Quand ce que tu aimes croise ce pourquoi tu es doué et ce dont le monde a besoin, tu es dans ta mission. Quand ce que tu aimes croise ce dont tu as besoin et ce pourquoi tu es payé, tu es dans ta vocation. Quand ce pourquoi tu es doué croise ce pourquoi tu es payé, tu es dans ta profession. Mais tu vois, si tu fais ce pourquoi tu dois que tu es payé, mais que tu n'aimes pas, bah voilà, c'est juste la profession, quoi. C'est ton job, tu vois. C'est du travail. Si tu fais ce dont tu es payé pour apporter ce dont le monde a besoin, tu as ta vocation. Mais pareil, tu vois, t'aimes pas, t'es pas doué. Et en fait, il y a une autre rosace là sur un autre ikigai plus sophistiqué. On peut voir qu'il y a même quand ton ikigai n'est pas maîtrisé, tu peux rentrer dans le syndrome de l'arnaqueur. Ah, oulala, merci pour ceux qui ont précisé qu'ils ne voyaient pas l'écran. Ok, je vous remets l'ikigai. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que demain ou après la conférence, je vous enverrai un lien
ou demain, je ne sais pas, pour télécharger les slides de la conférence. Comme ça, vous aurez les schémas, parce que je sais qu'il y a eu des partages d'écran qui ont foiré, tout ça comme là. Donc voilà, l'ikigai. Et donc l'idée, en fait, c'est, voilà, je vais vous donner des exercices, des questions de coaching. Notez là sur une feuille de papier. C'est les questions que l'on pose en fait pour trouver notre mission. Donc là, je vous fais la version rapide, d'accord? On est en ligne, on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous rentrez dans un de nos programmes, on a beaucoup plus d'outils pour aller vite. Donc l'idée, c'est de vous poser la question, voilà, faire la liste de tout ce que vous aimez faire. Une fois que vous avez fait la liste de tout ce que vous aimez faire, vous allez entourer tout ce que vous aimez, enfin tout ce que vous avez noté, pourquoi vous êtes doué ou que vous adorez apprendre. C'est-à-dire que vous pouvez être nul, mais si vous adorez apprendre ce truc-là, c'est tout bon. Une fois que tu regardes toutes les mentions que tu as entourées, tu vas te poser la question, qui a besoin de ça? Qui a besoin de ce talent? De ce ou ces talents? Quels sont les problèmes que rencontrent les gens qui n'ont pas ce talent dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire qu'ils aimeraient pouvoir faire? Que peut-il leur arriver de pire s'ils n'ont pas ce talent? Quel impact ça peut avoir dans sa vie, mais aussi quel impact ça a dans la vie de ceux qui l'aiment s'il n'a pas ce talent? Et là, tu vois, en fait, tu es en train de faire une étude de marché, tu vois, finalement, en réalité. Tu es en train de découvrir que tu possèdes des talents et qu'il y a des gens qui ont besoin de ces talents et qui souffrent de ne pas avoir ce talent. Une fois que tu as découvert quel est ce talent, tu vas te poser la question, ok, et si demain, je pouvais télécharger mon talent dans la tête de cet avatar, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire qu'il ne pouvait pas faire avant? Qu'est-ce qui va changer dans sa vie? Quel impact ça va avoir dans son quotidien? Quel impact ça va avoir dans la vie de ceux qu'il aime? Que lui disent ceux qu'il aime? Comment il se sent par rapport à ça, s'il télécharge ton talent? Et là, boum, tu viens de découvrir c'est pourquoi tu es payé. Et tu viens de comprendre qu'en réalité, voilà, tu as un talent, il y a des gens qui ont besoin de ce talent et qui seraient prêts à te payer très cher. D'ailleurs, c'est toute la magie du marketing et des régies publicitaires telles que Facebook ou YouTube Ads. Sachez que aujourd'hui, en ce moment même, il y a déjà des milliers de personnes qui seraient prêtes à vous payer très cher pour que vous les aidiez à résoudre les problèmes découverts via cet Ikigai. Est-ce que ça vous parle, l'Ikigai, là, dans le chat? Donc, erreur classique, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est les opportunités héritées. Vous savez, les parents qui vous ont dit, tiens, il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit, j'ai un master en marketing. Ok, ce master en marketing, est-ce que tu l'as fait parce que tu kiffes le marketing, t'aimes tellement ça que tu regardes des vidéos de marketing le soir sur YouTube, t'as acheté des livres, t'as acheté des formations, ou est-ce que tu fais ça pour faire plaisir à tes parents? Si tu fais ça pour faire plaisir à tes parents, pour avoir un bac, pour un diplôme, tu vois, tu es dans une opportunité héritée. Et si tu construis un business dans une opportunité héritée, bah tu pourras pas briller en fait. Tu vas juste devoir te forcer, ça va juste être un travail. L'éducation, voilà, familiale, scolaire, religieuse, c'est les premiers fournisseurs d'opportunités héritées. Hein, ceux qui sont bouchers ou charcutiers de père en fils, ou libraires, tu vois, les métiers qui se transmettent de père en fils. L'environnement politique, ou alors même les vendeurs de rêves, voilà, si tu as acheté une formation ou dropshipping, si tu es rentré dans un MLM aussi, tu vois. Notez que je crache pas entièrement sur le MLM, ça a des très belles choses aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est juste que voilà, moi je déconseille, d'ailleurs si vous voulez rejoindre l'Académie Impact Cash et Liberté ou n'importe quel de nos programmes et que vous nous dites que c'est pour faire du MLM, je vais dire ok, mais moi j'y crois pas, parce que justement tu gagnes pas assez. Deuxième erreur classique, pourquoi nous on pousse nos étudiants justement à trouver leur Ikigai, c'est que, faut que je vous raconte un autre truc. En fait, c'est l'année dernière, pendant le premier confinement, je me gave un truc de ouf. J'ai plein de conférences en ligne, comme celle-ci, dans laquelle vous participez, là, mais qui tournent en evergreen, c'est-à-dire que les gens croient être en live, mais c'est du faux live, en fait, tout est automatisé. Et en fait, je me gave, et jour après jour, en fait, je vois mon compte en banque se remplir sans rien faire et tout. Et c'est la deuxième fois de ma vie, voilà, rebelote, il m'arrive encore ce truc de ouf. Plus je gagne d'argent, et moins je suis heureux. Et en fait, je comprends un truc, c'est que en réalité, je n'étais pas dans ma zone de génie. J'étais dans ce qu'on appelle la zone d'excellence. C'est-à-dire que, vous voyez, pour moi, le marketing aujourd'hui, c'est très facile. C'est très facile, c'est un jeu d'enfant, ce n'est même plus challengeant, tellement c'est facile pour moi
d'être bon en marketing. Et tu vois, vendre continuer de vendre des formations marketing, ça ne m'intéressait plus, ça ne me motivait plus. Et même aujourd'hui encore, tu vois, vendre des formations en publicité sur Facebook, pour faire des tunnels de conversion, pour techniques de closing, ça ne m'intéresse plus en fait. Et là, tu vois, en fait, donc je suis complètement bloqué. Putain, waouh, vous êtes 247 auditeurs, c'est trop de la balle. Merci d'être là et de vous mettre en mouvement. Je tourne rond, en fait, et c'est là que je décide de me faire coacher par Roger Ornière, je ne sais pas si vous connaissez. Et là, on fait un gros travail sur mon identité. Et je ne sais plus, on parle de système de valeur et tout. Vous irez voir sur ma chaîne YouTube, je vous avais envoyé les liens dans la vidéo, dans les emails précédents. Des vidéos sur ma mission de vie, sur mon syndrome de l'imposteur, sur la question de, est-ce que j'allais accepter mon côté obscur et me pardonner pour les erreurs que j'ai faites du passé pour ce que je ne savais pas. Et en fait, je découvre que si j'aime le marketing, c'est parce que je suis dans ma zone d'excellence et que c'est facile. Mais ce n'est plus ma mission, en fait. Tu vois, ma mission, c'était subvenir aux besoins de ma famille, tu vois, vivre la vie de mes rêves, voyager, tout ça. Et ça, je l'ai fait. Donc, j'avais plus de mission, en fait. Et je me sentais nul, je me sentais inutile. Et donc, on fait ce coaching. Et je sais plus, il y a une phrase qui sort. Et puis là, je me mets à pleurer et tout, comme une fillette. Je dis, parce que j'arrêtais pas de procrastiner, alors que normalement, je suis une flèche. Vraiment, je passe à l'action massivement, grave. Et parce que justement, avant, j'étais dans la mission. Et là, j'avais plus de mission. Et je dis, si j'arrive à adopter les comportements adéquats pour impacter mon marché sans y trouver de bénéfices personnels, alors je serai un héros. Et là, boum, je me mets à pleurer. Pourquoi je dis bénéfice sans trouver de bénéfices personnels? Parce que passer un moment, gagner plus d'argent, ça ne rend pas plus heureux, tu vois. Et donc, tu n'affrontes pas l'inconfort pour gagner plus d'argent quand tu vis déjà dans l'ambulance, quoi. Et donc, je comprends en fait que ma mission, en fait, aujourd'hui, tu vois, c'est, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est aider les gens qui sont comme moi, je l'étais avant, tu vois, à trouver justement quelle est leur mission et à devenir libre, en fait, devenir libre, découvrir quelle est leur véritable authenticité, libérer leur propre identité, les libérer des chaînes et de leurs croyances limitantes pour exprimer leur zone de génie et qu'elles puissent elles aussi impacter à leur tour. Je vous donne un, donc je le fais, et puis c'est là que je me retrouve, en fait, à faire cette conférence à vous. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, même si demain vous rejoignez l'académie, c'est toujours la même chose, on voit toujours du marketing à l'intérieur, mais l'intention est différente. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qui rejoignent l'académie ne rejoignent pas l'académie pour faire de l'argent, mais pour avoir de l'impact. Et moi, c'est ça ce que je recherche aujourd'hui, tu vois. Si tu as l'impact dans ta vie, ça veut dire que toi aussi, tu vas avoir de l'impact dans la vie des gens. Et c'est là que je me sens vivant, en fait. C'est là que je me sens utile. C'est là que j'ai l'impression de rendre à l'univers ce que l'univers m'a offert à travers les différentes épreuves et les difficultés que j'ai pu affronter. Je vous donne un autre exemple d'un client, en fait, qui était dans sa zone d'excellence. Donc, c'est Florent Collin. Je vais vous en reparler plus précisément un petit peu plus tard parce qu'il va vous donner son témoignage. Mais Florent Collin, en fait, il avait rejoint une de mes offres pour vendre du consulting en marketing digital. Et je sentais bien que c'était pas son truc, le marketing digital. Et je disais, ouais, moi, je vois autre chose. Et puis, il m'avait dit, il connaissait en fait son Ikigai, mais il n'osait pas l'incarner. Il n'osait pas parce que il se sentait imposteur, pas au niveau des compétences, parce qu'il savait très bien qu'il avait les compétences. Mais quelque part, il avait l'impression d'être un imposteur parce que dans son éducation, dans l'éducation dont il a hérité, c'était pas un travail, en fait, sa zone de génie. Et donc, quand même, passé 2 mois, il accepte de le faire. Et en fait, il y a une interview, en fait, une étude du cas, où il paraît sur ma chaîne YouTube, et il explique qu'en fait, il se chiait dessus parce qu'il il avait peur, en fait, il n'osait pas affronter, sortir de sa zone de confort pour devenir qui il dit vouloir être. Et au bout de 2 mois, il accepte et il le fait. Vous allez voir les résultats de ouf qu'il a eu en quittant sa zone d'excellence pour entrer dans sa zone de génie, même si ça faisait peur. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à Valérie à l'époque. Hein. J'avais posé la question, est-ce que tu es d'accord pour dire que tout ce qui va te rendre la vie meilleure ou plus facile se trouve dans les actions qui font peur? Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui te fait peur? Elle m'a dit, montrer ton visage. Je lui ai dit, super, tu vas bientôt montrer ton visage. Boum.
Alors, peut-être que tu te dis, personne ne va s'intéresser à mes compétences de couture, de cuisine ou de dessin ou de ce que tu veux. Est-ce que vous connaissez quel est le sens de la vie? Alors, je vous préviens, c'est très subjectif, c'est mon avis personnel. Quel est le sens de la vie, selon vous? Certains vont dire l'argent, d'autres l'amour, le bonheur, etc. Pour moi, en fait, c'est tout simplement une réponse qui vient de la science. Donc, vous l'avez peut-être compris, depuis tout à l'heure, je parle de l'univers. Sans tabou, sachez que je suis un ancien chrétien qui questionnait toutes les religions. Et en fait, j'ai trouvé une religion, c'est l'athéisme. L'athéisme spirituel, c'est la même religion que Einstein. C'est-à-dire que je crois qu'en la science, et je crois, mais je reste spirituel. J'ai une forme de spiritualité envers la science. Toi, tu dis qu'il y a des cadeaux de Dieu. Moi, je dis c'est des cadeaux de l'univers. Voilà. Bref. Et donc, quel est le sens de la vie, selon moi? C'est la survie de l'espèce. Et par quoi passe la survie de l'espèce? Ça passe par la santé tout d'abord, puis l'argent, puis les relations, notamment le sexe et la famille. Notez que j'ai mis la santé en premier, puis l'argent, puis les relations, l'amour et le sexe. Pourquoi l'argent avant l'amour? Parce que 2 tiers des divorces, enfin 2 tiers des mariages explosent à cause du manque d'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est la sécurité. Et ta famille ne peut pas être heureuse et épanouie sans l'argent. Et bien sûr, si tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Donc, quel est le sens de la vie? La survie de l'espèce, et la survie de l'espèce, elle passe par la santé, l'argent et les relations. Et donc, l'idée, ça va être justement d'utiliser votre compétence, votre super pouvoir, votre mission pour nourrir la survie de l'espèce. Comment vous allez faire ça? Tout simplement en vendant un résultat et non la compétence ou le produit. Je m'explique. Voici des exemples de produits ou de compétences. Par exemple, vendre 30 recettes minceurs, vendre des exercices physiques, vendre une retraite de jeunes, donc une immersion. Ça, c'est pas bon. Je vais essayer de trouver des exemples qui sont liés à ce que vous pourriez avoir, vous. Je regarde un petit peu dans le chat. Bon, je vais pas. Je vais continuer parce que sinon, ça va durer trop long. Honnêtement, je pourrais faire ça pendant des jours. À la place, ce que vous avez besoin, au lieu de vendre le produit ou la compétence, c'est vendre le résultat. Par exemple, rentrer dans son jean ou alors perdre 10 kilos en 30 jours. C'est ça ce que les gens seront prêts à acheter et pas, surtout pas une compétence. Et c'est là l'erreur en fait. Tu vois, il y a plein de gens qui sont super compétents et qui galèrent financièrement. Ils sont comme ça, ils gagnent encore moins que quand ils étaient salariés parce que justement, ils ne savent pas vendre. Enfin, ils sont en train de vendre leur savoir ou leur produit au lieu de vendre un résultat. Notez au passage, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ouais, je voulais vous le dire. Il y a, vous pouvez vendre aussi en dehors de la survie de l'espèce pour ce que l'on appelle ce que j'appelle les passions hardcore. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont passionnés de ouf par la cuisine, d'autres qui sont passionnés de ouf par le dessin, d'autres qui sont passionnés de ouf par la guitare, d'autres par le golf, d'autres par la musique. Enfin, il y a des passions hardcore qui sont aussi fortes que la survie de l'espèce. Mais surtout, les trois grandes thématiques, santé, argent et relations, c'est là où ce qu'on peut faire des millions. Et notez qu'à l'intérieur, il y a plein de sous-niches en fait. Tu vois, par exemple, l'argent, ça peut être l'immobilier, ça peut être créer, ouvrir un restaurant, ouvrir un garage, ouvrir un atelier de peinture, ouvrir un atelier de stylisme, devenir coach, devenir thérapeute, devenir formateur. C'est sans limite. Pareil pour la santé, ça peut être à travers le crossfit, ça peut être à travers le yoga, ça peut être le bien-être, la méditation, ça peut. Tu vois, c'est vraiment illimité. Et en fait, tu vois, il n'y a pas une seule mission qui est pourrie, sans exception. Il y a toujours, partout, 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 peu importe quelle est votre mission. De toute manière, si l'univers ou Dieu vous a donné cette mission, c'est bien pour quelque chose et qu'il y a des gens qui en ont besoin. Je vais vous donner une grosse pépite là. Attention, prenez de quoi noter. C'est un truc qui provient de ma formation. Pour clarifier en fait quelle est ton offre, clarifier ta mission. Ce qu'on appelle la déclaration de mission optimisée. Pourquoi optimisée? Parce qu'au début, c'est nul, en fait. Au début, c'est pas clair, c'est flou. Et à force de le répéter, en fait, le truc il s'arrange, il se clarifie et tu l'optimises, tu y vois plus clair. C'est pour ça que j'appelle ça déclaration de mission optimisée. En quoi ça consiste? Donc, c'est compléter les textes à trous. J'aide les avatars. Donc, avatars, c'est qui? C'est ceux qui ont besoin de votre super pouvoir. Donc, j'aide les avatars à obtenir un résultat et non la compétence, obtenir grâce à opportunité. Et l'opportunité, c'est quoi? C'est ta compétence. Par exemple,
j'aide les femmes de plus de 40 ans à rentrer dans leur jean grâce à des séances d'hypnose. Tu vois, boum. Ou j'aide les femmes de plus de 40 ans à rentrer dans leur jean sans régime, sans sport et sans privation grâce à leurs oreilles. Là, je fais du marketing. Tu vois. Exemple d'erreur, j'aide les entreprises à générer du trafic qualifié avec la publicité Facebook. Là, c'est pourri, tu vois, je vends une compétence. Générer du trafic qualifié avec la publicité Facebook. Ça, c'est pas bon, en fait. On les voit sur Instagram, les gens qui mettent des bios comme ça, elles sont moisies. Voici la bonne façon de faire. J'aide les entrepreneurs qui veulent des résultats rapides, donc là, on a un avatar qui est très spécifique, à doubler leur chiffre d'affaires en 30 jours. Tu vois, là, il y a un résultat très fort, très puissant et surtout tangible, doublé en 30 jours, grâce à la publicité Facebook, la compétence. Autre exemple, donc là c'est un mauvais exemple, répondez-moi dans le chat, combien tu serais prêt à me donner aujourd'hui pour 3 mois de coaching? Répondez-moi dans le chat. Marquez-moi, je veux voir vos réponses s'il vous plaît, c'est très intéressant. Combien vous seriez prêt à me donner aujourd'hui pour 3 mois de coaching? Vous voyez, cette déclaration-là, elle est très mauvaise. Maintenant, je vais vous poser une deuxième question, donc c'est pour ça que c'est très important. Notez vite dans le chat combien tu serais prêt à me donner aujourd'hui pour 3 mois de coaching. Maintenant, si je te pose la question, combien tu serais prêt à me donner si je t'aide jusqu'à ce que tu gagnes 20 000 euros par mois, soit 240 000 euros par an. Et ça va augmenter toute ta vie. Marquez-moi un résultat dans le chat, s'il vous plaît. Combien tu serais prêt à me donner si je t'aide à gagner, si je t'aide jusqu'à ce que tu gagnes 20 000 euros par mois. Et là, tu vois, il y a un résultat très tangible. Ma déclaration serait, j'aide les entrepreneurs et ceux qui souhaitent le devenir à créer un business rentable, stable et pérenne grâce à leur savoir ou leur expertise qui leur permet de gagner 20 000 euros par mois en quelques semaines. Reda qui dit « aucun résultat garanti ». Moi aussi, je le garantis. Non, et Josia, je vous préviens, maître, je ne sais pas, je n'ai pas les moyens. S'il vous plaît, arrêtez vos excuses à la con. Je vous dis juste combien vous seriez prêt, pas combien vous me donnez, combien vous seriez prêt à me donner pour 3 mois de coaching. Versus combien tu me donnes si je t'aide jusqu'à ce que tu gagnes 20 000 euros par mois. Et là, vous voyez, dans la version fausse, il y a je vends une compétence ou je vends le produit. Et dans l'autre, je vends le résultat. Et donc, pour un résultat, là, tu es prêt à sortir l'argent. Peut-être que tu dois te dire, ouais, mais moi, j'ai peur de montrer mon visage ou je suis nul en informatique. La vérité, en fait, c'est que si aujourd'hui, tu as peur de montrer ton visage, c'est tout simplement parce que tu n'es pas aligné, en fait, avec qui tu es, avec ton identité. Comme Valérie l'était à l'époque, elle faisait du dropshipping parce qu'elle n'était pas alignée avec ce qu'elle... elle ne voulait pas montrer son visage parce qu'elle n'était pas alignée avec ce qu'elle faisait, faire du dropshipping, vendre des produits de merde. On le sait que c'est pourri, quoi. Et c'est normal que tu ne peux pas montrer ton visage si tu vends de la merde. Ensuite, peut-être que tu te dis que tu es nul en informatique. Et en fait, moi, ce que j'ai appris, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus besoin de savoir coder. Aujourd'hui, tu vois, pour faire des sites web, faire du marketing, tout ça, si tu sais envoyer un email, si tu sais utiliser un smartphone, bah, tu peux le faire. Et je peux même aller plus loin, en fait. C'est que si tu n'es pas bon en informatique, c'est tout simplement parce qu'il n'y a personne qui t'a appris ou alors que jusqu'à présent, tu ne donnais pas de sens, tu n'apportais pas d'importance à apprendre les outils informatiques. Et c'est tout un état de cause. Tu vois, moi, j'ai ma grand-mère, par exemple, elle est loin de ses petits-enfants. Ma résultat, c'est faire du Instagram et du Facebook, tu vois, parce que c'est le seul moyen de rester connecté avec tous ses petits-enfants. Et donc, voici Michel, dont je suis très fier. Michel est retraité, en fait. Et quand il a rejoint mon programme, il était nul en informatique, c'est simple, il ne savait même pas déclencher un live dans Facebook. Il rejoint le programme, je l'appelle, et en plus, donc à la base, il faisait du e-commerce. En fait, il vendait des compléments alimentaires pour rester jeune, pour soigner l'andropause. Et je l'appelle, et puis voilà, pareil, je lui fais son ikigai, et je lui dis, c'est quoi en fait ta mission? Il me dit, je vais aider les gens à rester jeunes. Ok. Et en dehors des compléments alimentaires et du e-commerce, qu'est-ce que tu peux faire? Et puis là, il a commencé à me dire, je fais du qigong, je fais ci, je fais ça. Et voilà, boum, ça y est. Il est passé du e-commerçant qui ne réussissait pas au leader charismatique qui aide les hommes de plus de 50 ans à mieux vivre leur andropause. Et donc, je vais te montrer son témoignage. Tu vas voir, il est ouf. Et franchement, j'ai tellement de gratitude pour Michel. Parce que tu vois, voir les résultats qu'il a eus, c'est... Moi, vous n'avez pas idée...
à quel point ça me nourrit à l'intérieur. Je regarde, je vais répondre à un message du chat. Annabelle disait un truc. Annabelle, Facebook n'aime pas les promesses de résultats, donc c'est délicat de faire la pub. D'un côté, sans donner de fausses promesses, et de l'autre, du copywriting pour mieux convertir et quelqu'un bloqué. Non. Oui, Annabelle, c'est vrai. Et il y a des astuces, en fait. Moi, si tu as dû voir mes promesses, tu as vu ma publicité, et tu as vu ma landing page. Je suis agressif et j'arrive à dépasser le truc. Donc voilà, là, je vais vous montrer le témoignage de Michel, justement, qui était avec toutes ses croyances habituelles. Hein. Je ne vais pas me montrer le visage, je suis nul en informatique et tout ça. Je m'appelle Michel, j'ai 62 ans. J'ai reçu un programme de Rudy parce que j'avais lancé un projet qui me tenait à cœur pour la santé des hommes. Et après une année, les ventes restaient confidentielles. Et lorsque j'ai trouvé le programme de Rudy, j'ai vraiment trouvé une méthode concrète, et puis pas de la théorie, mais quelque chose que je pouvais appliquer réellement au jour le jour, semaine après semaine, et qui me faisait avancer continuellement. Et au bout de... Bon, j'ai monté en puissance lentement, et puis lorsque la montée en puissance a commencé, après 4 mois, j'avais fait un chiffre d'affaires de 20 000 euros, qui était très encourageant, et pour m'encourager à scaler maintenant. Et vraiment, je recommande cette formation à toutes les personnes qui ont une idée, qui veulent mettre en route leur idée et qui veulent une technique qui va fonctionner et qui va les mettre sur les rails. Et vraiment, je le recommande parce que ça vous donne confiance et puis ça permet d'aller de l'avant dans un tel projet. Tout type de projet, quoi. Alors, un grand merci d'ailleurs à Rudy pour toute son aide. Au revoir. Ok, donc cette fois-ci, j'ai pensé à remettre le micro. Merci Michel, et vous voyez, aujourd'hui, vous avez vu, c'est hyper touchant, en fait, quand vos clients vous envoient ce genre de témoignages et acceptent de vous céder leur image, en fait, pour pouvoir inspirer d'autres personnes. Tu vois, ils le font. Comment vous croyez que ces gens-là m'envoient ces témoignages? C'est parce que, un, leur vie a vraiment changé, mais surtout, ils savent à quoi va servir leur témoignage. Ils savent que ça va permettre d'inspirer et de mettre d'autres personnes en mouvement, telles que elles ont été mises en mouvement. Et vous voyez, il y a cet effet boule de neige de bienveillance, en fait, et de partage, où on veut vraiment impacter et changer le monde. Et donc, là, peut-être que tu te dis, ok, l'opportunité de vendre sans savoir, c'est top, Rudy, tu m'as closé. Et en plus, tu m'as prouvé que j'en suis capable. Et peut-être que tu te dis, voilà, par contre, moi, je veux des résultats rapides parce que j'ai pas le temps. Peut-être que tu te dis, faut être sûr que ça va marcher. Peut-être que tu te dis qu'il faut bien savoir s'exprimer ou qu'il faut savoir expliquer les choses correctement. Peut-être que tu te dis, faut être sûr de pouvoir apporter des résultats. Secret numéro 3, on va voir mes vilains petits secrets pour être sûr que ça va marcher. Et là, quand je vais partager ça, vous allez dire, mais Rudy, c'est pas possible, il vient de Mars. Attendez, je bois un petit peu. Est-ce que vous êtes chaud? Tiens, j'ai un petit sondage pour vous. Est-ce que maintenant vous êtes convaincu, en fait, vous aussi, vous pouvez vendre votre savoir et que peu importe votre niveau aujourd'hui, que vous soyez débutant, pro ou expert, bah, vous aussi, vous pouvez le faire et vous pouvez gagner 20 000 euros par mois. Est-ce que vous en êtes certain? Réponse 1, oui, absolument. Réponse 2, oui, c'est possible si vous m'y aidez. Réponse 3, je crois que ce n'est pas fait pour moi. S'il vous plaît, encore une fois, j'insiste, prenez le temps de répondre au sondage. Je sais que certains d'entre vous doivent se lever de leur ordinateur pour répondre. Faites-le, s'il vous plaît. Pour moi, c'est très utile. Waouh, ça fait 2h43 qu'on est là. Vous êtes 263 auditeurs. C'est absolument extraordinaire. Vous êtes ouf. Merci, franchement. Vraiment, vous savez, moi, je me nourris de votre curiosité. Je me nourris de votre ambition, de votre passion, de votre énergie et de votre désir, en fait, à remonter les manches, à vouloir sortir de votre zone de confort pour vivre la vie de vos rêves et offrir une vie meilleure à ceux que vous aimez. Alors, secret numéro 3, mes petits vilains secrets. Donc, l'erreur classique numéro 1,
quand on se lance en fait dans ce métier-là, c'est de vendre pas cher. Pourquoi ? Parce que quand tu vends pas cher, en fait, ça attire les mauvais clients. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que les clients pas chers, ou alors pire encore, c'est les clients gratuits. Expliquez pourquoi. Donc, qui parmi vous, s'il vous plaît, est entrepreneur et s'est déjà retrouvé avec des clients, en fait, qui, un, ne payent pas cher, deux, tu surdélivres parce que tu as vraiment envie que ton client réussisse, et en fait, ton client, c'est un loser, il fait pas le job, et en fait, il fait que se plaindre. La vérité, en fait, c'est que quand tu fais des offres pas chères, tu attires des clients pas chers. Si ton offre, elle est cheap, tu vas attirer des clients cheap. Et le pire, c'est les gratuits, en fait, tu vois. Moi, enfin, je l'ai fait, peut-être que toi aussi, tu l'as déjà fait, tu vois, c'est donner ton savoir et ton temps à quelqu'un que tu aimes, tu l'offres gratuit. Mais ce qui est gratuit n'a pas de valeur, tu vois. Et même sur la conférence précédente, tu vois, plein de fois, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, s'il te plaît, Rudy, fais-moi signer un contrat, donne-moi ta formation gratuite et après, je te fais des royalties toute la vie. Et donc, moi, au début, quand j'ai commencé, voilà, animé par ma mission, je l'ai fait comme un con. Et en fait, tu vois, pas une seule des personnes à qui j'ai testé a obtenu des résultats. Pourquoi ? Parce que c'était gratuit, il n'y avait pas de valeur. Et à première difficulté, boum, il n'y a plus personne, tu vois. J'ai un autre exemple flagrant, c'est sur mon offre de coaching. Quand je me suis lancé, parce que j'avais besoin de monter en compétences, je faisais cette offre à 97 balles par mois, 97 euros par mois. Et croyez-moi, il y avait 20 personnes dans cette offre. Sur les 20, il n'y a pas une seule personne qui a eu des résultats. Pas une seule. Pourquoi ? Parce qu'à 97 euros par mois, c'était pas assez douloureux en fait pour les aider, pour les engager en fait à sortir de leur zone de confort. Et résultat, honnêtement, au bout de 4 mois, j'ai fermé cette offre parce que je détestais mon job de coaching là avec des clients qui se donnaient pas les moyens, tu vois. Et un an et demi plus tard, j'ai refait la même offre, mais à 2000 euros par mois. Et là, pff, boum, c'est exactement la même offre. Mais là, les clients, ils ont des résultats de ouf. Pourquoi ? Parce que justement, tu vois, ils se sont donné les moyens. Tu sais, c'est comme à l'époque, avant des business en ligne, tu vois, si vous voulez ouvrir un commerce dans le dur, il fallait beaucoup d'argent parce qu'il fallait payer un pas de porte et tout ça. Et résultat, bah, les gens, ils se battaient, tu vois, pour faire cartonner leur entreprise. Et résultat, en fait, quand ils faisaient un emprunt à la banque de 100 000 euros, 150 000 euros pour ouvrir leur commerce, ils étaient engagés, ils se battaient, tu vois. Et résultat, bah, ça marchait. Tandis qu'avec les business en ligne, tu vois, c'est tellement facile d'ouvrir une boutique Shopify ou, tu vois, et les gens, en fait, ils abandonnent. Donc, créer des offres pas chères, honnêtement, à fuir. Surtout, ne pas faire ça. Il n'y a rien de pire que les clients cheap et les clients gratuits. Autre problème, tu vois, en fait, je vous posais une question. Putain, je suis obligé de jongler avec la clim, quoi. Un coup, j'ai trop chaud, un coup, j'ai froid. Qu'est-ce que tu préfères ? Avoir 10 clients qui te payent 1000 euros, ce qui te fait 10 000 euros par mois, ou alors te taper 1000 clients à 100 euros ? L'équation, la question, elle est vite répondue, non ? Il vaut mieux avoir 10 clients à 1000 euros plutôt que te taper 1000 clients à 100 euros. Déjà, d'autant plus que taper 1000 clients à 100 euros, ça te fait beaucoup de SAV, ça te fait beaucoup de support, ça te coûte cher en marketing. Combien ça te coûte d'acquérir un client ? À 100 euros, tu ne gagnes pas d'argent. Tandis que quand tu vends 1000 euros, bah, ça va vite. Et surtout, donc le truc, c'est de créer une offre haut de gamme à la place. Et dès lors que tu crées une offre haut de gamme, bah, tu vas attirer des clients qui sont premium et surtout qui sont engagés. Et comme c'est des offres haut de gamme qui te payent cher, et bah, du coup, tu peux leur allouer des ressources suffisantes, tu vois, parce que tu es motivé. Je vais te donner un exemple. Est-ce que tu serais prêt à venir tondre ma pelouse pour 10 euros, tu vas me dire non. Pour 50 euros, non. Pour 100 euros, non. Pour 1000 euros, ah là, tu vas commencer à y réfléchir. Si je te dis, je te donne 2000 euros pour ton ma pelouse, là, tu vas venir. Bah, c'est pareil, en fait. Tu vois, si tes clients, ils te payent suffisamment cher, eh ben, tu vas être super motivé, en fait, tu vois, pour les aider, pour écouter toutes leurs peurs, leurs craintes et tout ça. Et mieux encore, tu vois, si tu débutes, tu peux réinvestir l'argent que tes clients t'ont payé pour te former. Ainsi, tu as de quoi investir dans ta croissance. Et qu'est-ce que je parle ? Ça veut dire quoi pour moi ? Investir dans ta croissance, c'est te faire coacher, c'est pouvoir te former, pouvoir déléguer et sous-traiter en recrutant et en achetant de la publicité. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est celui de Lionel Tonato, dont je vais vous reparler plus tard. Je vais jouer un de ses témoignages. Il est consultant marketing digital.
Il est spécialiste en Google Ads, en YouTube Ads, parce que c'est quelqu'un, c'est un ancien Googler, en fait, il travaille chez Google. Et donc, il est consultant marketing et il n'est pas compétent en Facebook. Donc, comme sa cliente le paye super bien, eh ben, il est venu me voir et moi, je lui ai aidé sur sa campagne Facebook. Et vous allez voir qu'il a des résultats de ouf. Donc, en vendant du premium, ça lui a permis d'aller chercher du premium pour mieux servir son marché, tu vois. Et moi, c'est ce que je recommande à ceux qui débutent. Tu vois, c'est si tu débutes, vends cher quelque chose et avec l'argent que tu as encaissé, fais-toi former par quelqu'un qui est super compétent dans ton domaine, qui est plus compétent que toi. Ainsi, tu es sûr de pouvoir livrer de la super qualité à ton client, même si tu es débutant, tout en ayant pu te former. Et donc, voilà, au début, l'idée, c'est de réinvestir au maximum ce que vous encaissez de votre chiffre d'affaires pour vite vous level up et monter en compétence. Je regarde un petit peu le chat, il y a des trucs là. Il y a Kim qui disait qu'avoir vendu un produit à 100 euros, c'était l'enfer. 150 clients pourris. Josia qui dit j'ai vendu pas cher, on était toujours dans la négociation avec les clients. Vasken, je reprends mon exemple, va faire payer un client une formation sur comment faire une finition impeccable pour vos meubles à 1000 euros. Alors, non, Vasken, justement, c'est plutôt qui tu décides d'être comme menuisier. Je vais prendre un exemple. L'autre jour, j'étais à l'hôtel Sofitel de Essaouira. Et en fait, il y a un artiste qui fait. Il est menuisier, enfin, je pense que c'est. Ouais, menuisier, parce que c'est de la sculpture sur bois. Et il fait des œuvres de fou qu'il vend très cher. Après, tu vois, bon, on ne peut pas voir là, mais le bureau station debout sur lequel je suis, c'est un menuisier qui me l'a fait. C'est du sur-mesure. Ça m'a coûté, je crois, 230 euros. Et le mec, il marche bien, tu vois. Et demain, il pourrait faire une formation comment devenir créer un business dans la menuiserie, tu vois. Parce que le mec, il marche bien, il a un vrai savoir-faire, il sait attirer des clients, il sait fidéliser les clients. Le mec, il m'a tellement bien servi, tellement rapidement, c'est tellement bien fait, que je lui ai demandé des étagères cachées là-bas et je lui ai demandé un deuxième bureau station debout pour chez moi encore, tu vois. Je lis, par contre, je pense que les produits pas chers doivent faire partie d'une stratégie. Alors oui, Kim, il y a. Oui et non, mais ça, alors, c'est dans les trucs à avancer. Sache que je vends aussi quelquefois des petits produits pas chers. On pourra en parler, mais il faut pas démarrer avec ça, en fait. Les petits produits pas chers, tu peux en vendre plus tard, quand tu as déjà rincé toutes les audiences avec les produits premium. Tac, tac. EPL, oui, comment aider ceux qui n'ont pas les moyens financiers? Alors justement, là, on en parle justement dans mes formations, c'est que si tu décides de servir quelqu'un qui n'a pas les moyens, bah, tu as perdu d'avance en fait. Tu peux pas. C'est à toi de te poser la question en fait, quel avatar, enfin, quel est mon talent qui peut servir un marché qui a de l'argent? Je vais prendre l'exemple de un de mes confrères en fait, qui quand il s'est lancé, il vendait une formation beatbox. Ok, le beatbox c'est un truc de banlieusard. Pour information, j'ai fait du beatbox. Attendez. Bref, en fait c'est un truc de banlieusard, c'est un truc de gens qui n'ont pas de thunes. Et si tu crées un produit pour les gens qui n'ont pas de thunes, bah forcément ça va pas marcher. Maintenant c'est dans ton contrôle, d'accord? On n'a pas un seul talent, on a plusieurs talents. Et à toi d'aller nourrir justement celui qui peut servir un marché qui a de l'argent. Maintenant. L'idée, c'est aussi de bien connaître ton marché et de te poser suffisamment de questions, d'étendre ton champ de vision. Pourquoi pas te faire coacher pour trouver justement comment servir un marché qui n'a pas d'argent. Je vais prendre un exemple, c'est celui des associations. Moi, je me fais beaucoup targeter en publicité par une association qui s'appelle Share the Mille ou un truc comme ça. Et voilà, en fait, qui font du marketing. D'ailleurs, leur marketing, il est super high level. Ils achètent de la publicité. Ils ont plein d'employés partout dans le monde, des salariés. Et font du marketing pour que les gens fassent des dons, des donations, en fait, pour nourrir les enfants de partout dans le monde, issus de milieux défavorisés. Donc, tu vois, en fait, comme d'habitude, soit on trouve des excuses, soit on trouve des solutions. Voilà. Et si tu n'as pas encore trouvé, c'est que tu n'as pas assez cherché. Et peut-être qu'un coach pourrait t'aider. J'aime bien, il y a une blague de coach qui dit, voilà, c'est un coach qui va dans une pièce et puis voit son pote, en fait, accroupi dans une pièce dans le noir avec son téléphone chercher un truc au même endroit. Et il dit, qu'est-ce que tu fais? Et puis l'autre, il dit, cherche mes clés. Il dit, mais pourquoi tu cherches que là? Et il dit, parce qu'il n'y a que là que je vois la lumière. Et tu vois, le rôle d'un coach, la mission d'un coach, c'est allumer la lumière partout lorsque tu croyais qu'il n'en avait pas.
Donc Reda qui dit si notre mission est d'aider les plus démunis, bon, je viens d'y répondre. En tout cas, sache que y a mon coach à moi qui dit un truc super intelligent, c'est que tu ne peux pas aider les démunis si tu n'es pas capable d'aider les munis. Je reformule, tu ne peux pas aider ceux qui n'ont pas d'argent si tu ne sais pas déjà aider ceux qui ont de l'argent. Parce que tu vois, ta cause en fait va requérir de l'argent. Ensuite, donc erreur numéro 2. Je vais passer les slides avec le truc de la clim. Erreur classique numéro 2, c'est attendre d'avoir le produit parfait. Un exemple très concret, moi je suis passé par là aussi. En fait, tu sais, c'est que les gens, quand ils veulent se lancer, je prends l'exemple de Romain Pirotte, dont tu pourras voir le témoignage un peu plus loin. Il me demande des conseils en fait pour se lancer dans la formation. Et là, je lui dis, quand est-ce que tu veux lancer ta formation? Il me dit, dans 6 mois. Je dis, non. Non, frère, c'est pas possible. Ta formation, tu vas la lancer dans 30 jours et on va la vendre avant que tu la crées. Et là, il me dit, non, 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 non. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que je suis pas prêt, j'ai peur de montrer mon visage. Je dis, pas de problème, je vais t'aider. Et j'essaie de le closer en fait sur une offre de coaching. Et il me dit, non. Et puis, 3 jours plus tard, il me rappelle et il me dit, ouais, en fait, si. Et en fait, le problème, tu vois, c'est que si tu cherches à créer le produit parfait avant de le vendre, alors sache qu'il ne sera jamais parfait et que si tu fais ça, hein, en fait, tu vas souffrir de perfectionnisme. Mais le problème, c'est que le perfectionnisme mène à l'immobilisme. Et moi-même, je l'ai fait dans le passé, en fait. Tu vois, si tu crées ton produit seul de ton côté, tu vas créer ce que tu penses que ton audience a besoin. Mais en réalité, ça va être déconnecté de la réalité de ses besoins. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grande différence entre ce que tu penses qu'il a besoin et ce dont il a vraiment besoin. Il va y avoir une grande différence entre ce que tu souhaitais expliquer et ce que tu as expliqué. Il va y avoir une grande différence entre ce que tu as expliqué et ce qu'il a compris. Et du coup, en fait, tu as plein de gens en fait, qui se lancent comme ça, qui créent une offre, et en fait, tout simplement, ils se rendent compte que ça ne répond pas à un besoin du marché. Et là, c'est le drame. Imagine, tu as perdu 6 mois de ta vie. 6 mois de ta vie, surtout pour préparer ce truc-là, bah, tu as dû faire des sacrifices, tu vois. Et peut-être que ta femme t'a quitté, ou ton mari t'a quitté, ou t'es. Enfin, tu vois. Parce que ça t'a pris du temps. Et au bout, ça ne marche pas. Donc l'idée, c'est quelle est la solution? C'est de vendre avant de créer. Et c'est ce qu'on a fait en fait, et c'est ce que font tous mes clients, et c'est ce que j'apprends à mes étudiants. Et depuis qu'on fait ça, bah, ça cartonne. Pourquoi? Parce que ça permet de co-créer avec les clients. C'est-à-dire que tu leur vends le résultat, et une fois qu'ils l'ont acheté, tu parles avec eux et tu leur demandes, tu leur dis, voilà, voilà, moi j'ai prévu de faire ça, 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 et ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça répond à tes besoins? Qu'est-ce que je devrais rajouter pour que tu sois sûr que ça marche? Tu vois? Et je vais te donner quelques exemples avec quelques études de cas. Je regarde un petit peu ce qui se passe dans le chat. Bon, rien d'intéressant. Donc, est-ce que vous voulez voir des études de cas concrètes et chiffrées? Des exemples. Donc, voici Lionel Tonato, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est consultant, qui fait de la prestation de service, c'est-à-dire donc qui fait les choses pour ses clients. C'est un ancien de chez Google. Oups, je crois que j'ai pas son témoignage. Ah, alors, il va falloir que je hack un petit peu le truc. Ok, un instant, s'il vous plaît. Okay. Donc, Lionel, voilà, c'est un ancien Googleur. Il accompagne des infopreneurs, plein d'entreprises, en fait, la publicité sur Google Ads, et il voulait aider une cliente à scaler. Et comme bah, elle le paye bien, bah, il a pu se faire aider. Je l'accompagne donc justement pour Facebook Ads et je l'aide pour la prestation de sa cliente. Alors là, je vais tester un truc. Je ne sais pas si ça va marcher. Vas-y, tu n'aurais pas dû faire ça. Merde, j'ai fait des conneries là. Zut. Zut, zut, zut.
Et je recherche où on était dans les slides. Ok, l'étude de cas, voilà, tac. Et pour le partage d'écran, il faut que je change. Donc là, je vais aller chercher le témoignage sur YouTube. Je ne sais pas comment ça va marcher. J'espère que ça va bien fonctionner. Je suis obligé de laisser le micro d'après mes tests. Donc la qualité du son sera un petit peu moins bonne, mais surtout, écoutez bien. Donc voilà, comme il vend du premium, bah, il a les moyens de se faire aider. Et voici ce qui arrive. Donc on a dépensé 1607 euros. Et on a gagné derrière 21 000 pour le euro. Bonjour à tous. Donc en fait, au cas où vous n'auriez pas compris, vendre de la prestation de service, tu vois, ça permet de, d'abord tu vends, tu encaisses ton client et après tu fais le truc pour le client. Je m'appelle Lionel Tonato, je suis expert sur YouTube Ads et aujourd'hui si je fais cette vidéo, c'est pour pouvoir témoigner justement de l'expertise de Rudy, vous raconter un petit peu mon expérience avec lui, les résultats qu'on a obtenus pour que vous puissiez vous faire votre propre idée de son expertise. Alors, lorsque j'ai fait appel à Rudy, justement, bah, moi j'ai toujours eu l'habitude finalement de faire des publicités sur Google Ads, sur YouTube Ads, mais je n'avais jamais fait vraiment sur Facebook Ads. Donc j'ai fait appel à lui en lui demandant s'il pouvait m'accompagner pour un lancement. Donc moi j'accompagne aussi certains entrepreneurs justement sur leur activité en ligne. Et justement, il m'a montré comment faire une campagne, comment créer des bonnes créatives, comment est-ce que derrière il faut cibler de manière efficace pour laisser assez finalement de latitude à l'algorithme Facebook pour qu'il puisse tester plein de choses. Alors, ce que vous attendez, je suppose, c'est des résultats. Je vous donne des résultats chiffrés. Donc, on a dépensé 1607 euros et on a gagné derrière 21 000 pour le euro, justement, lors de ce webinaire. Donc, voilà, le retour sur investissement était vraiment très, très bon, surtout pour une première campagne. Donc, vraiment, je vous recommande Rudy, allez-y vraiment les yeux fermés. C'est de très loin un des experts les plus efficaces de ce marché. Puisqu'en fait, il est discret, mais il est super, super efficace et très pédagogue. Donc voilà, je vous conseille vraiment son programme. N'hésitez vraiment pas à y aller. Vous y allez les yeux fermés. Moi, en tout cas, je vous le conseille. À très vite. Yes. Donc voilà, je ne sais pas comment était la qualité du son, mais voilà. Astuce numéro 1, produit numéro 1, vendre de la prestation de service. D'abord, tu vends et après, quand tu as besoin d'aide, bah, grâce à ce que tu as encaissé, tu vas solliciter quelqu'un qui sait déjà résoudre le problème et qui va le résoudre pour toi ou le résoudre avec toi de manière à ce que tu puisses réellement impacter et servir ton marché comme l'a fait Lionel. Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, s'il y avait bien le son pour son témoignage. Véronique, Annabelle, j'aime bien vos questions. Gardez les questions pour la fin, s'il vous plaît. Je répondrai à toutes les questions. On raccrochera pas tant que j'aurai pas répondu à toutes les questions. Voilà. Donc, technique numéro un, notez, vente de la prestation de service, done for you. Comme ça, tu encaisses avant de livrer. Deuxième exemple, voici Patrick Grobetti. Donc, Patrick est un promoteur immobilier, donc qui était dans sa zone d'excellence. Et en fait, la promotion immobilière, même si ça lui rapporte beaucoup d'argent, il s'ennuie en fait. Il s'ennuie et il décide de rejoindre une de mes offres de coaching. Et on fait son Ikigai. En fait, on voit que il est fait en fait pour le business coaching, tu vois. Pas marketing, mais business coaching. Et il m'explique en fait qu'il ne veut pas vendre son temps, tout ça. Donc, je lui dis, écoute, le mieux, tu sais, c'est que tu fasses une offre de coaching groupé où tu vas enregistrer des formations. Et les gens suivent des formations et après avoir suivi la formation, tu les coaches de manière groupée pour répondre à leurs questions. Et moi aussi, j'ai une offre de coaching et j'adore ça. Franchement, c'est génial. C'est trop bien, quoi. Même là, je viens de m'inscrire à un cours de CrossFit parce que jusqu'à présent, j'allais à la gym, mais le faire seul, ça m'intéressait pas. Et le CrossFit, c'est en groupe. Et tu vois, quand c'est coaching groupé, il y a plein d'énergie et tout. C'est trop bien, trop bien. Et donc, pareil. Le coaching groupé, c'est tu encaisses et une fois que la personne elle a payé, bah, elle peut rentrer, elle peut démarrer dans le coaching. Et voici ce que ça a donné, ce que ça a changé de sa vie. Bonjour, c'est Patrick Grobetti, marketing externe. Avec l'aide de Rudy, on est passé de 0 à 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel grâce à une stratégie d'acquisition via Facebook et suivi d'un webinaire qui a été monté des mains de maître grâce à l'accompagnement de Rudy. De mon côté, je suis multi-entrepreneur à la tête de plusieurs entreprises en construction, immobilier et marketing. Mais voilà, on a tous besoin d'un coach et Rudy nous a montré, Greg et moi, comment faire pour monter justement un nouveau système de génération de prospects, après de closing aussi par téléphone.
Et tout cet accompagnement nous a permis justement de mettre en place une nouvelle stratégie marketing. Donc, on a des excellentes connaissances en marketing en digital. Mais voilà, on avait besoin d'avoir un angle d'attaque un peu différent. Et ben, grâce à Rudy, on est passé de 0 à 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel pour cette nouvelle activité, donc marketing extrême. Donc, moi, je vous recommande vivement, vous pouvez les yeux fermés. Il a ce côté très fun, très freestyle, mais assurez-vous, il est très structuré et il y a des stratégies qui fonctionnent. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez les yeux fermés. Allez, à bientôt, au revoir. Voilà, vous voyez, donc de 0 à 20 000 euros en 30 jours sur une nouvelle activité grâce à son Ikigai, en fait, et en faisant une offre de coaching groupé. Troisième exemple, c'est celui de Saad Ben. Peut-être que vous avez déjà vu sur YouTube ou sur Facebook, il a acheté beaucoup de publicité. Il me demande de l'accompagner, en fait. Donc, lui, justement, il était prisonnier des offres pas chères, en fait. Il vendait pas cher. Et il vient sur un mastermind que j'organise. Et puis là, bah, je le close, en fait. Et je lui dis, par contre, je te préviens, si on travaille ensemble, il est hors de question que tu vendes pas cher, quoi. Et donc, on crée une offre haut de gamme. Donc, pour info, ça a Ben. Plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 salariés. Je l'accompagne pendant 4 semaines et au bout de 4 semaines, il encaisse 80 000 euros. D'ailleurs, je l'ai réinterviewé récemment sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir une étude de cas. C'était il y a 12 mois et donc en 12 mois, il a fait 1 500 000 euros après que je l'accompagnais en vendant des formations haut de gamme. Je vous montre ce qu'il en pense, en fait, comment ça a changé, en fait, comment ça s'est déroulé pour lui. Ben, j'ai réalisé plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en dropshipping, en e-commerce. Je suis parti de zéro et j'ai pris un accompagnement avec Rudy pour m'encadrer, pour m'aider à lancer mon webinar. Donc, on a fait un lancement ensemble. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Pareil avec Saad, je lui ai dit, en fait, on vend la formation d'abord et après, on la crée. En fait, d'abord, tu vends une formation modulée, c'est-à-dire que toutes les semaines, tu vas sortir un nouveau module. Je lui dis d'abord, donc on fait le webinar, c'est-à-dire la conférence en ligne telle que celle-ci. Dites-moi si dans le chat, si vous avez déjà vu Saad, si vous avez déjà vu ses publicités. Et puis, vous irez voir aussi l'interview là que j'ai postée sur ma chaîne YouTube où il explique voilà, comment il a fait plus d'un million et sorti un livre d'ailleurs entre-temps. Et donc, la formation en ligne modulée, c'est un nouveau module qui sort toutes les semaines. Donc, je lui avais dit d'abord, tu vends la formation, tu vends ton programme, et une fois que les gens ont acheté, tu leur dis voilà, moi ce que j'ai prévu comme ça, comme ça, comme ça, est-ce que ça répond à vos besoins, tu vois. Il a fait un live avec eux, et c'est les clients en fait qui ont dit nous on veut ça, on a besoin de ça, ah oui, mais ça, ah mais moi j'ai pas de budget pub, est-ce que tu peux mettre un truc pour faire les premières ventes sans publicité de manière à encaisser de l'argent pour faire de la pub, enfin tu vois, vraiment une bienveillance, tu vois, de servir le marché. Et dès lors que tu as cette bienveillance, il y a l'univers qui te renvoie 10 fois ce que tu donnes, quoi, tu vois. Mon webinar. Donc, on a fait un lancement ensemble. J'avais besoin de directives pour améliorer mon webinar, pour mieux convertir et tout simplement avoir un coach, un consultant avec qui rebondir mes idées, etc. Et résultat, on a fait premier webi, on a dû faire 80 000 euros de chiffre d'affaires, si je me rappelle bien. Donc voilà, si vous hésitez, si vous voulez vraiment avoir un pro, pour moi, c'est un des meilleurs en francophonie, c'est Rudy. Vraiment, c'est l'expérience qu'il a dans le business en général et surtout dans le business en ligne, c'est un des meilleurs tout simplement. Je vous recommande fortement Rudy de Growth Hacking. Et voilà, n'hésitez pas, rejoignez ses offres, prenez ses offres, c'est un des meilleurs. Ciao. Ici, un deuxième exemple, un deuxième modèle, business model, celui de Florent Collin. Donc, je vous redis, il était dans mon offre de coaching, mais pour vendre du consulting en marketing digital. Et je sens bien qu'il est dans la zone d'excellence et tout, et je le pousse vraiment à aller dans son Ikigai, dans sa zone de génie. Donc, pour info, c'est quelqu'un qui est passé par toutes les missions héritées possibles. Il a fait du MLM, du dropshipping et même du consulting. Et donc, voilà, au bout de 2 mois de consulting, voilà, je lui dis, vas-y, fais ce qui te fait kiffer. Il craque, il décide de se lancer pour vendre ses immersions trimestrielles, c'est-à-dire un mastermind, c'est-à-dire c'est un club à l'année, en fait, avec des immersions, des rencontres mensuelles ou trimestrielles. Donc, les gens payent un abonnement annuel. Et en plus, quand ils ont payé l'abonnement annuel, à l'intérieur, ils leur vendent des formations, des coachings et tout un tas de trucs.
Et donc à l'époque, lui, il vendait du consulting, il faisait 5 ou 6 000 euros par mois. Et une fois qu'il rentre dans sa zone de génie, c'est là que, tu vois, quand tu te décides à t'affronter ce qui te fait peur, c'est là qu'il y a des choses magiques qui se passent. Et voilà, je te laisse voir le témoignage de Florent, qui est juste incroyable. Salut, c'est Florent du club. Petite vidéo pour te parler de la formation de Rudy. J'espère que vous m'entendiez avant. Bon, je crois que j'ai loupé un truc avec le micro, mais c'est pas grave, il y a le texte sur les slides. Bon, je vous mets l'interview de Florent qui a décidé d'entrer dans sa zone de génie, de faire ce qui lui faisait peur. Comment elle m'a permis de générer 65 000 euros de chiffre d'affaires en moins de 15 jours, soit doublé simplement mon chiffre d'affaires. Donc, grâce à quoi? Grâce à un webinaire que j'ai appris dans cette formation, un truc totalement, totalement incroyable. Alors, avant ça, j'ai essayé pas mal de formations. Je me suis cassé les dents sur pas mal de choses. C'est vrai que c'était compliqué. Je trouvais pas la bonne méthode, la bonne formule. Et puis, voilà, j'ai eu la bonne idée de regarder le webinaire de Rudy, de prendre son coaching. Et là, là, on a pris la voie rapide, comme dit MJ DeMarco, la fast lane. Et on a réussi à obtenir 65 000 euros en 15 jours. On a doublé le chiffre d'affaires. Donc, cette formation, ce coaching, il est concret, il est rapide, il est efficace. Donc, si tu hésites, franchement, passe à l'action. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire, je pense, de toute ta vie ou en tout cas de ton année. Alors, fonce, fonce et fonce. Ciao, ciao. Est-ce que ça fait plaisir, ce genre de message, hein, franchement? Vous voyez pourquoi déjà, ça paye bien de vendre son savoir. Mais inspirer comme ça, tu vois, avoir autant de reconnaissance et savoir que lui aussi derrière, il inspire des gens, il a de l'impact. Vraiment, vous voyez pourquoi je suis animé comme ça. Donc voici Baptiste Joly, que vous avez déjà certainement vu sur YouTube aussi, qui vend un mentorat, un accompagnement de 6 mois où il aide les particuliers justement à se lancer dans l'immobilier. Il était déjà suivi par un coach, mais il avait été dans une période où il y avait une baisse d'énergie. Et parce que ça peut arriver en fait. Hein. Et donc, il me demande de l'accompagner. Et je dois avouer que j'ai pris énormément de plaisir à accompagner Baptiste parce que c'est vraiment une fusée, quoi. Dès que je lui donnais un truc à faire, 2 heures plus tard, il me disait c'est fait, c'est quoi l'étape d'après, tu vois. Et je vous recommande d'être comme ça en fait, tu vois. Résultat, il a pu obtenir des résultats super rapidement. Il a fait 80 000 euros en 3 mois malgré son jeune âge. Et notez que là, on a fait un petit hack. D'ailleurs, que vous avez vu aussi, hein, quand vous êtes inscrit à la conférence, c'est que juste après l'inscription à la conférence, on vendait un petit produit, ce qui permettait de rentabiliser les campagnes pub. Donc, ça ne faisait pas gagner d'argent, mais ça permet de financer les campagnes pub. Voilà, comme ça, ça répond à la question de Kim, je crois, tout à l'heure, qui parlait de la vente de petits produits. Quand tu vends des petits produits, ce n'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour te constituer une audience. Et donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu les impressions de Baptiste, donc, qui vend son mentorat VIP en immobilier. Il était à 8500 euros. D'ailleurs, je lui avais dit augmente. Et maintenant, il a 11 000 ou 10 500 euros. Et ça marche super bien. Et voici les résultats qu'il obtient. Salut, c'est Mathieu. Je suis coach en investissement immobilier. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo par rapport au mentoring de Rudy. Il faut savoir que je tournais à peu près à 30 000 euros par mois avec mon activité de coaching sur investissement immobilier. Et je voulais vraiment passer à la vitesse supérieure. Je ne savais pas comment faire, je n'avais pas les clés. Et aussi, surtout, j'avais une baisse de motivation parce que je me sentais seul et j'avais envie de perdre du temps à partir dans toutes les directions. Et à partir de ce moment-là, ça devient compliqué de passer au niveau supérieur parce qu'il y a assez peu de personnes qui sont légitimes pour t'accompagner aux 70, 80, 100 000 euros par mois. Et j'ai commencé à travailler avec Rudy. Ça a fait x3 sur ma motivation. On a mis en place un webinaire qui a généré près de 80 000 euros pour 11 000 euros de budget pub. Il a généré 79 800, quelque chose comme ça. On va dire 80 000 pour 11 000 euros de budget pub. Donc, c'est juste la folie. Ça nous a permis de rentrer des clients. Ça nous a permis d'optimiser nos offres. Ça nous a permis d'optimiser du coup l'équipe en recrutant des closers, en recrutant des coachs, en passant à la vitesse supérieure, en se professionnalisant. Et c'est ça que je retiens, c'est que je me suis professionnalisé avec le coaching de Rudy. Il m'a vraiment accompagné de A à Z à passer au niveau supérieur. J'ai gagné en maturité. J'ai appris énormément sur le plan marketing, sur le plan humain aussi par rapport à la gestion de ses équipes. Et je suis vraiment maintenant, on va dire, un vrai entrepreneur, alors qu'avant, j'étais solopreneur. Et je suis passé au niveau supérieur grâce à ça. Donc, si aujourd'hui, tu hésites, tu tournes peut-être à
à 5, 10, 20, 30 000 euros par mois et tu veux vraiment passer au niveau supérieur, tu veux vraiment faire x3 sur eh bien, ton chiffre d'affaires, bosse avec Rudy sur son offre de mentoring, passe au niveau supérieur. C'est beaucoup de travail, mais je peux t'assurer que le jeu en vaut la chandelle et c'est clairement un changement de vie derrière. Et toute ta carrière d'entrepreneur sera impactée par cet accompagnement. Donc, vas-y, fonce et bravo pour tous ceux qui passent à l'action. Ciao, ciao. J'ai eu la chance d'accompagner des gens vraiment qui ont percé. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont donné les moyens. Parce qu'ils ont eu un bon coach aussi, il faut le dire. Donc pareil, et la technique de Baptiste, voilà, ce mentorat, donc il fait du done for you, il fait de la prestation, mais aussi, il fait aussi du coaching. D'abord, il vend et il livre après, ce qui permet d'encaisser tout de suite. Autre étude de cas, Romain Pirotte, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, Romain, lui, était terrorisé, pareil, de parler en public, de s'exposer aux haters. Il avait peur de ne pas savoir expliquer comme il faut. Il me demande conseil. Il me dit vouloir sortir sa formation dans 6 mois. Je lui dis non, on la vend et tu livres toutes les semaines après en live. Et ce modèle, en fait, de livraison de formation en live via Zoom permet de parfaitement expliquer. C'est-à-dire que... Donc, tout d'abord, voilà, il a co-créé le programme avec ses clients après que les clients aient acheté. Il leur dit, voilà, moi, j'ai prévu ça, de quoi vous avez besoin. Là. Ensuite, plutôt qu'enregistrer seul devant sa caméra, parce que c'est extrêmement malaisant au départ, bah, il enregistre en live. Donc, il parle avec ses clients sur Zoom. Comme ça, il peut voir leur visage, il peut voir s'ils sont concentrés, il peut voir s'ils se grattent la tête ou quoi. Il explique ce qu'il a besoin d'expliquer. Il leur apprend qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, pourquoi c'est important, comment faire. Et après, il leur dit, voilà, est-ce que vous avez des questions? Et là, les gens posent les questions de manière à ce que lui puisse vraiment les aider. Et après, il peut faire un autre truc encore, c'est lui-même, à son tour, il pose des questions aux élèves pour voir s'ils ont compris. Ainsi, tu vois, ce modèle-là, tu vois, la masterclass hebdomadaire en live, c'est le meilleur modèle, en fait, pour celui qui commence dans la formation et qui a peur de ne pas être pédagogue. Et encore une fois, toute la beauté du système, c'est que tu vends avant d'être créé. Résultat, Romain, on a fait 67 000 euros en 5 jours, 300 000 euros en 6 mois. Et depuis, Romain s'était expatrié à Malte et a monté également une agence de référencement Google. Tu vois, on est vraiment dans l'écosystème. Il a même lancé un logiciel. Donc, au début, il vendait formation référencement Black Hat, puis formation référencement White Hat, puis un deuxième logiciel, je crois, et maintenant son agence de référencement. Il est vraiment dans l'écosystème. Donc, si on résume ce que vous avez vu jusqu'à présent, vous avez vu aujourd'hui que vendre son savoir, bah, c'est le meilleur moyen de faire du gros cash, de pouvoir vivre la vie de ses rêves, de pouvoir voyager, faire du shopping et tout ça, et surtout d'offrir une vie meilleure à ceux que vous aimez. Vous avez vu que vous en êtes capable et que, en réalité, la seule issue possible, bah, c'est de réussir dès lors que vous avez les bons process. Vous avez vu plusieurs études de cas avec des profils et des projets divers et variés de mes étudiants, et vous avez vu bah, qu'ils obtiennent des gros résultats même si vous débutez. Imaginez comment serait votre vie si l'argent n'était plus un problème. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie et dans celle de ceux que vous aimez si vous gagnez 20 000 euros par mois? Imaginez un petit peu l'impact et le plaisir, le sentiment d'accomplissement si vous pouviez avoir d'impact dans la vie des gens. Imaginez la fierté dans les yeux de vos parents quand vous pouvez les aider financièrement. Imaginez le plaisir et le bien-être et la sécurité de savoir que vous allez pouvoir transmettre un modèle de réussite à vos enfants ou pour eux, réussir, entreprendre, c'est la normalité. Imaginez un petit peu comment vous allez pouvoir dépenser ces 20 000 euros par mois dans le shopping, dans le voyage, quel pays vous aimeriez visiter. Où est-ce que vous iriez habiter? Dans quel pays? Dans quelle ville? Est-ce que vous déménagez dans une maison, loin de la ville, proche de la ville? Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce qu'il y a un jardin? Imaginez à quoi ressembleraient vos journées et votre lifestyle si demain, vous gagnez 20 000 euros par mois. Dites-moi dans le chat. Vous êtes certainement excité à l'idée de vous offrir une nouvelle vie à vous et à ceux que vous aimez. Et il doit y avoir un grand nombre de questions. Comment je fais pour créer et développer mon offre? Comment je fais pour devenir expert dans mon domaine?
Comment je fais pour créer une audience de fans et les engager? Comment je fais pour trouver des clients, les encaisser et délivrer? Et peut-être que justement, tu as un tas d'autres questions parce que tu veux le faire et tu veux réussir et tu sais que tu peux le faire. Donc, voilà ce que j'ai pour vous. Je vous ai promis qu'il n'y avait rien à vendre et qu'au contraire, je vais vous faire un cadeau. Je suis du genre inaccessible, mais maintenant, vous connaissez mon histoire. Vous savez qui je suis, vous savez ce que je fais. Vous avez vu les résultats de mes étudiants et maintenant, vous êtes certainement persuadé que je suis la personne la mieux placée pour vous aider. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous pensez que je peux vous aider? Est-ce que vous pensez que si demain, je vous prends par la main, je vous conseille, je vous forme, je vous coach, je vous mets la fessée, je vous mets des coups de pression. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de gagner 20 000 euros par mois si je vous accompagne non-stop jusqu'à ce que vous gagnez 20 000 euros par mois? Est-ce que vous pensez que c'est possible? J'ai décidé de mettre mon équipe à votre disposition durant les 3 jours à venir pour répondre à toutes vos questions dans le cadre d'un appel de découverte pour vous aider à rejoindre l'un de nos programmes premium. On va vous poser des questions très précises pour savoir qui vous êtes, ce que vous faites, quelles sont vos ressources, d'où vous partez et quel est votre état d'esprit. Ce qui nous permet de faire ce qu'on appelle d'éviter les erreurs de casting et de détecter si on croit en vous parce que vous avez le potentiel. Pourquoi? Parce que à l'époque, en fait, où je vendais juste des formations en ligne, on acceptait tout le monde. Et aujourd'hui, gagner plus d'argent, en fait, ne va pas me rendre plus heureux, tu vois. Ce qui vraiment, ce qui me stimule, ce qui m'anime, tu vois, c'est pouvoir impacter. Et j'ai pas envie d'accepter dans mes programmes des gens qui vont pas se donner les moyens, en fait. Donc, ce que j'appelle les erreurs de casting. J'ai pas envie d'accepter dans mes programmes des gens qui vont pleurnicher dès que ça va être dur, qui vont pas faire le travail ou avec qui on va devoir faire la nounou. Donc, voilà pourquoi, durant les 3 jours à venir, je vais mettre mon équipe commerciale, Sophia, Leïla, Joëna, à votre disposition pour répondre, enfin, pour vous offrir un appel et voir si on peut vous aider. Et si on peut vous aider, elles vont vous aider à rejoindre l'un de nos programmes. Mais c'est seulement si on croit en vous, si on y croit. J'ai pris d'avance. Si on y croit, si on pense que vous avez le potentiel, si on pense que vous avez cette bienveillance que l'on recherche, si on pense que vous êtes vraiment animé par un désir ardent d'avoir de l'impact, ce qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent et de vivre la vie de vos rêves, alors on vous aidera à rejoindre l'un de nos programmes. Et dans ce cas-là, si elle vous propose, je veux que vous le fassiez. EPL Coaching, est-ce qu'on peut parler directement avec moi? Tu peux parler avec moi directement si tu rentres dans mes programmes. Mais en attendant, il y a mon équipe pour faire ces castings parce que j'ai passé l'âge de faire ça. Donc voilà, si on pense pouvoir vous aider, on vous sachez que si on ne pense pas pouvoir vous aider, on vous le dira poliment, mais s'il vous plaît, ne soyez pas vexés, d'accord? Si on pense qu'on ne peut pas vous aider, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, mais simplement que soit c'est trop tôt, en fait, ou alors soit qu'on n'est pas les bonnes personnes pour vous, tout simplement, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde et on ne veut pas aider tout le monde. Il faut être réaliste. Ensuite, est-ce que c'est fait pour vous? Oui, c'est fait pour toi si tu as du budget à investir sur toi et dans ton business. Ça représente quand même un investissement entre 4 et 5 chiffres en fonction du programme dans lequel tu vas rentrer. Sache que l'argent est très rarement un problème et qu'on peut te proposer des solutions de paiement. Mais il faut quand même un minimum de 500 euros pour commencer. D'accord? Ensuite, c'est fait pour toi si tu peux consacrer au strict minimum 10 à 15 heures par semaine dans ce projet. Moduler comme tu veux, soit 2 heures par jour, soit tu te fais le samedi, le dimanche à fond. À toi de voir. Ensuite, c'est fait pour toi si tu es vraiment animé par l'idée de changer des vies et d'avoir de l'impact. Et j'insiste, tu vois, c'est vraiment la clé numéro 1 parce que si tu es juste motivé par l'argent, premier coup dur, il va y avoir des coups durs. Tu vas pleurnicher, tu vas abandonner. Tandis que si tu es animé par l'idée d'avoir de l'impact, si tu veux vraiment donner du sens à ta vie, dans ce cas-là, c'est fait pour toi. Et tu vas voir que plus tu vas avoir d'impact et plus il y a l'argent qui va tomber sur toi sans même que tu aies besoin de courir après. Ensuite, désolé, mais ce n'est pas fait pour toi, en fait, si tu crois qu'on va faire le job à ta place. On a quand même fait 90% du travail, de ton marketing, c'est-à-dire que si tu décides de rejoindre une de nos offres, tu vas bénéficier de plein de plans, des templates, des structures, des relances mail, des pages de vente et tout ça, enfin, tu vois, qui sont déjà prêts pour toi, tu auras juste à changer les textes. Mais on va pas faire les nounous, tu vois. On va te donner des trucs, jamais on va te laisser tomber. À chaque fois que tu as besoin d'aide, d'ailleurs, quand tu es dans le programme, on t'appelle, on te rappelle. Si tu as des questions, dis-le nous, tu vois. Enfin, vraiment, on laisse tomber personne. Pourquoi? Parce que, tu sais pourquoi? Parce que
c'est pas l'argent qui me motive. Tu vois, si j'étais motivé par l'argent, bah, quand les clients ils sont un petit peu prenants ou qui demandent trop, ça me saoulerait. Mais comme je suis animé justement par les résultats, bah, c'est pas un problème en fait. Mais voilà, c'est pas pour toi si tu crois qu'on va faire tout le job à ta place. Il va falloir travailler. Ensuite, c'est pas fait pour toi si tes intentions elles sont douteuses, c'est-à-dire que tu veux vendre des arnaques ou alors que t'es pas animé par la création de valeur ou d'impact. C'est pas fait pour toi aussi si tu as aucun budget, si tu as zéro et que tu as aucune possibilité de financement. Je suis désolé, on pourra rien faire pour toi. Ensuite, c'est pas fait pour toi non plus si tu habites dans un pays où tu ne peux pas payer en euros ou un pays qui est en embargo. Dans ce cas-là, je peux rien faire pour toi. Il faut que tu puisses au moins nous payer en euros, en dollars ou en dirhams marocains. Sinon, généralement, c'est les pays d'Afrique. Hein, on peut. Si vous êtes sous embargo, on n'a pas le droit de travailler avec vous, tout simplement. Alors, pourquoi c'est maintenant qu'il faut en profiter? Sache que c'est très rare que je fasse ces offres. Tu vois que j'ouvre le recrutement de l'académie, c'est pour une durée limitée. Pourquoi? Parce que nos ressources sont limitées et je veux vraiment qu'on puisse aider tout le monde. Ça va durer 3 jours. Je pense qu'on va sélectionner seulement 5 personnes pour rejoindre l'une de nos offres, soit le Framework Millionnaire, soit l'Académie Impact Cash et Liberté. Réserve un appel et on t'en dira beaucoup plus. Mais si tu le fais pas maintenant, en fait, bah, tout simplement, quand les portes elles sont fermées, c'est fermé, quoi, tout simplement. Et tu verras que sur mon site, j'ai pas de page de vente ou quoi. On ouvre quand on a besoin, quand on veut recruter, quoi. C'est maintenant ou jamais, tout simplement. Donc, comment on fait pour réserver cet appel stratégique? Alors, il y a une offre qui va apparaître à la place du chat. Tac. Ok, tac. Voilà. Il y a une offre qui vient d'apparaître sur le chat. Il y a un blog qui s'appelle « Postuler maintenant ». Mon équipe vous répond durant les 4 jours à venir. Cliquez sur « Postuler ». Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer comment on fait. Tac. J'enlève ce partage-là. Chrome, postuler, hop là. Voilà, donc vous allez accéder à un formulaire JotForm. Vous cliquez sur ce formulaire et vous répondez aux questions de manière la plus légitime et avec le plus grand soin. Si vous répondez à l'arrache, on va refuser votre rendez-vous tout simplement. Sachez qu'on élimine environ 2/3 des demandes de rendez-vous parce qu'on estime qu'elles ne sont pas sérieuses. Donc, comment on fait? Vous répondez aux questions avec les vraies réponses, votre statut professionnel et tout ça. Vous répondez à la question, est-ce que vous avez regardé la vidéo de présentation? Oui, je l'ai regardé jusqu'au bout. Donc, c'est soit cette conférence en live, soit une masterclass qui était déjà préenregistrée. Si c'est pas fait, si vous mettez « je n'ai pas regardé qu'une partie ou je ne l'ai pas vue », bah, dans ce cas-là, je vais vous proposer de regarder le truc. Ne réservez pas un appel si vous n'avez pas vu cette conférence en entier ou la masterclass en entier. Sinon, ça sert à rien, on va perdre du temps. Donc, si c'est le cas, vous mettez oui. Là, vous dites quels sont les produits que vous souhaitez commercialiser. Vous nous dites où vous en êtes dans votre projet. Parlez-nous de votre projet en étant le plus précis possible. D'accord ? C'est pas grave si votre projet n'est pas définitif, hein, si c'est brouillon. N'ayez pas peur, même si vous pensez, si vous n'êtes pas sûr que c'est une bonne idée, n'ayez pas peur. En fait, au début, on est nul, hein, et c'est parfaitement OK d'être nul au début. Mais nous, on a besoin d'en savoir le plus possible sur vous. Donc, faites de votre mieux pour nous donner ce qui ressort de votre ikigai. Quels sont vos talents? Quels sont les problèmes que rencontre votre avatar? Quels sont les résultats qu'il va obtenir s'il télécharge votre talent dans sa vie? Dites-nous combien vous voulez vendre, quel type de produit, et voilà. Mais si vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave, c'est OK. C'est juste un brouillon, c'est une piste pour avancer. Ensuite, dites-nous quels sont les plus gros blocages que vous rencontrez et les obstacles que vous avez en dehors de l'argent, parce que je vous le rappelle, l'argent est très rarement un problème. Combien vous pensez être combien de clients vous pensez être capable de gérer par mois? Donc, soit 6 nouveaux clients par mois à 3 500 €, ce qui vous fait 21 000 euros. Par mois, soit 10 nouveaux clients à 5 000 €, ce qui fait 50 000 € par mois, ce qui fait soit 20 nouveaux clients par mois à 5 000 €, soit 100 000 € par mois. Alors, si vous êtes très débutant, ça va être là. Et si vous avez déjà une expertise, ça va être soit ça, soit ça. Voilà. Ensuite, dites-nous quel est le budget que vous pouvez
mettre dès le départ. Donc honnêtement, si vous n'avez pas 500 euros à mettre dès aujourd'hui, c'est trop tôt, vraiment. Est-ce que vous avez des capacités d'emprunt et de financement auprès de votre banque ou auprès de vos proches? Ensuite, histoire, notre temps est aussi précieux et on veut parler qu'avec des gens qui veulent déjà travailler avec mon équipe et moi-même. Donc là, vous allez marquer pourquoi vous choisissez moi plutôt qu'un autre. Et encore une fois, soignez-le, parce que si mon équipe n'est pas convaincue en fait par votre motivation, elle va refuser l'appel. Hein. On veut parler qu'avec des candidats qui ont déjà pris la décision de changer de vie. Donc, expliquez-nous pourquoi c'est maintenant le bon moment et pas dans 3 mois. Et encore une fois, pareil, là, si vous n'êtes pas convaincant, on va refuser le rendez-vous. Ensuite, dans votre idéal, qu'est-ce qui devrait se passer à l'issue de cet appel? Là, encore une fois, soyez convaincant. Sinon, on va refuser le rendez-vous. Ensuite, bon là, vous marquez qui vous êtes et tout ça, votre nom, votre prénom. Votre email, donc je vous conseille de mettre un Gmail, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ensuite, vous mettez votre numéro de mobile avec votre pays. Plus 212 pour moi. Hop là. Et vous faites confirmer. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez recevoir un SMS sur votre téléphone portable pour vérifier qu'on a le bon mobile. Donc là, je viens de recevoir le code. Je vais le marquer. 22. Comme ça, on est sûr que votre numéro, c'est le bon. Voilà, hop. Et voilà, dernière étape. Donc là, il y a une petite vidéo qui va vous expliquer des choses vraiment cool. Et là, vous allez pouvoir accéder à l'agenda en ligne de mon équipe. Vous choisissez le jour auquel vous voulez faire cet entretien. Hop, vous choisissez l'heure. Et là, vous avez juste à répondre aux questions. Donc pareil, c'est juste pour des questions qui nous permettent de trier en fait le bon grain de livret, de voir qui est vraiment motivé. Vous remettez votre prénom, votre nom, votre email. Si vous avez un associé ou un co-décisionnaire, quant au fait de vous engager dans nos programmes, vous pouvez l'inviter en mettant son email, par exemple l'email de votre femme ou de votre mari ou de votre associé. Attention, c'est indispensable que tous les décisionnaires soient présents lors de cet appel. Ensuite, est-ce que vous acceptez de prévoir 1 heure dans un endroit calme et confortable durant l'appel? Option 1, oui, bien sûr, je serai chez moi ou au bureau car je veux vivre une expérience optimale. Option 2, on verra si vous avez de la chance et dans ce cas-là, ne réservez pas cet appel. Question numéro 2, on a besoin que tous les décisionnaires soient présents. Pas de problème, je suis le seul à porter le pantalon concernant les investissements professionnels. Ou alors, pas de problème, je serai présent avec mon associé. Ou alors, pas sûr que le partenaire ou l'associé soit présent. Dans ce cas-là, ne réservez pas cet appel. Vous voyez, finalement, tout ce qu'on cherche à faire là, c'est poser des questions pour vous offrir une expérience optimale. Et c'est ce qu'on fait dans absolument tout. Et c'est pour ça que mes clients ont des résultats de malade. Je ne suis pas le seul formateur, en fait, à vendre ça. Mais je suis le seul qui ait des témoignages qui soient si ouf. Et pourquoi? Parce que je mets toutes les conditions pour offrir une condition optimale à nos clients. Et je suis vraiment animé avec mon équipe par cette mission. Vous allez voir, c'est incroyable la bienveillance qu'il y a dans tout ce qu'on fait. Donc ensuite, troisième question, pour vous offrir une expérience optimale, l'appel va se faire via Google Meet. Est-ce que cet outil vous est familier? Réponse 1, oui, bien sûr, c'est vraiment cool de pouvoir se voir en caméra. Réponse 2, yes, je vais installer l'application mobile sur mon téléphone car je n'ai pas de webcam ou de micro sur mon ordinateur. Option 3, non, je vais regarder des tutoriels pour voir comment ça marche avant. Pourquoi? Parce que justement, cet appel va se faire via Google Meet, en visio, avec mon équipe, avec Joyna, Sophia, Leïla ou quelqu'un d'autre. Ensuite, voilà, sachez qu'on a une politique de tolérance zéro. Si vous nous plantez, vous serez définitivement blacklisté de notre système et vous ne pourrez plus jamais postuler pour rejoindre l'un de nos programmes, que ce soit des offres de coaching ou même que ce soit des formations, tout simplement parce que j'ai pas envie de perdre, enfin demain, j'ai pas envie de t'accepter dans mes clients si tu respectes pas mon équipe, tout simplement. Tu vois, vraiment, on est animé de plein de bienveillance, de fou. On respecte nos clients, on respecte nos étudiants, on respecte nos audiences et on attend le même respect de votre part. Et donc, suite à ça, en fait, dès que vous aurez réservé le rendez-vous, vous allez pouvoir… Attends, je vais repartager les slides à nouveau. Voilà. Dès lors que vous aurez le rendez-vous sera booké, vous allez recevoir un email de confirmation qui contient un lien qui va vous permettre de télécharger notre brochure
pour en savoir plus sur nos offres, sur comment on peut vous accompagner, quel est le système. Notez que ça va vous permettre également de débloquer des formations gratuites, en fait, pour vous aider et vous mettre en mouvement et vous aider à dépasser tous les obstacles et les croyances limitantes qui pourraient encore saboter votre mise en mouvement. Parce que je sais très bien que au moment où on se met en mouvement, souvent on a peur et il y a un syndrome de l'imposteur qui surgit, c'est ce qu'on appelle notre limite supérieure. C'est-à-dire que notre éducation, enfin vos parents, mes parents, nos parents, ont défini un thermostat de réussite pour nous. C'est-à-dire que s'ils pensent que, si tes parents par exemple pensent, et d'un point de vue de langage corporel, t'ont éduqué en te faisant croire que tu vas gagner 2000 euros toute ta vie et que si tu gagnes 2000 euros c'est bien, bah, dès lors que tu as l'occasion de gagner plus, par exemple 20 000 euros par mois, ce qui est la promesse de nos offres d'accompagnement, tu risques de te saboter en te disant que tu vas trahir l'image ou l'éducation que les parents ont donné de toi, en fait. Tu vois. Et enfin bref, tu vois, si tu réserves cet appel, on va t'offrir des vidéos de coaching, en fait, qui vont te permettre de dépasser tout ça. Donc, que va-t-il se passer après que tu aies réservé cet appel? Un, sache que l'appel se fera donc en visio via Google Meet, dans nos bureaux, donc toi depuis chez toi, soit depuis ton ordinateur, soit depuis ton téléphone portable, avec quelqu'un de mon équipe, sache qu'il y aura zéro pression commerciale. C'est-à-dire qu'on ne va pas te faire mal à la tête pour que tu rejoignes nos programmes, parce que déjà, de un, ça ne marche pas, et de deux, ça fait, quand tu fais ça, bah, c'est que des erreurs de casting, quoi. Nous, ce qu'on veut, tout simplement, c'est des gens qui décident de réussir. Et sache que la mission de mon équipe va être de te renseigner et tout simplement de t'aider à prendre la meilleure des décisions possibles pour toi-même, et seulement si on pense pouvoir t'aider. Donc, si on pense pouvoir t'aider, mon équipe, en fait, va te coacher, va t'offrir un coaching, enfin, va te donner un aperçu. Tu vas voir ce que c'est du coaching Madine Academy Impact Cash et Liberté. C'est qu'ils vont juste te poser des questions, et que les réponses, elles vont venir de toi-même, et que si tu penses que rejoindre l'académie, c'est la meilleure des choses que tu pourrais faire, bah, on va t'aider à rejoindre l'académie. Aussi simple que ça. Et si tu penses que c'est pas fait pour toi, bah, on va te dire non, viens pas. Tout simplement. Donc, ce que je vois, c'est que il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas cliqué. Je vois, alors je ne sais pas si les stats sont vrais ou pas. Je vois qu'il y a 284 auditeurs présents. Donc, ce que je vous invite à faire, tout simplement, c'est cliquer sur l'offre pour postuler. Ça ne vous engage à rien, vraiment. On va faire que vous aider. Et il y a juste une expérience extraordinaire qui vous attend au bout. Soit vous rejoignez une de nos offres et votre vie pourrait changer, soit vous allez voir qu'on ne peut pas vous aider tout simplement et vous allez vivre une expérience extraordinaire. Et on arrive à la fin, donc là ce que je vous propose, c'est de répondre à toutes vos questions et réponses durant les quelques minutes à venir. Si vous avez des questions, bien évidemment, je suis bête, j'aurais dû vous dire de noter les questions que vous aviez avant, peut-être que vous avez noté des questions depuis tout à l'heure. Donc, tout d'abord, je vais répondre aux questions sur les offres d'accompagnement. Est-ce que c'est fait pour vous ou pas? Puis après, je répondrai à absolument toutes vos questions, que ce soit mindset, que ce soit entrepreneuriat, que ce soit création d'offres, que ce soit mission de vie, ikigai, que ce soit témoignage, que ce soit outil marketing ou quoi. Je vous propose de répondre à toutes vos questions si vous avez encore des questions. Et sinon, bah, je vous invite tous à cliquer sur l'offre là maintenant, à postuler pour voir si on pouvoir vous aider, parce que si on vous accepte dans l'académie, bah, votre vie elle va changer, hein. Comme celle de Romain Pirotte, voilà, qui a 22 ans, a fait 300 000 euros en 6 mois. Baptiste Joly, qui a fait 80 000 euros avec un webinar. Saad Ben, qui a fait 1 500 000 euros en 12 mois, 80 000 euros seulement en 4 semaines. Florent Collin, qui a fait 65 000 euros en 15 jours. Michel, qui est passé de 0 à 20 000 euros alors qu'il a été salarié toute sa vie. Patrick Grobetti, qui est passé de 0 à 20 000 euros mensuels en faisant du business coaching. Valérie, qui a fait 6 000 euros en 5 jours et qui aujourd'hui doit tourner à 20 000 euros par mois. Et mais des témoignages comme ça, j'en ai plein. Mais je ne vais pas passer notre temps à diffuser des témoignages. Donc voilà, écoutez, je ne vois pas qu'il y ait de questions. Donc je pense que vous êtes tous en train de remplir les sondages. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement vous les poserez, donc soit faire, c'est que je vois que vous êtes nombreux, vous êtes déconnectés dans un instant, ok, vous avez compris, on arrive à la fin de cette conférence.
Donc, ce que je vous invite à faire, voilà, c'est que si vous pensez qu'on peut vous aider, si vraiment vous êtes prêt à appuyer sur le bouton rouge, si vous avez envie de changer de vie, bah, vous réservez un appel stratégique avec mon équipe. On sera très heureux de vous aider. On sera très heureux de répondre à toutes vos questions. On sera très heureux de vous aider à répondre, à vous permettre de vous mettre en mouvement, à vous aider à prendre la décision de changer de vie, parce que c'est pas une décision qui est facile. Je sais ce que c'est. Je suis passé par là. On est tous passés par là. Même mes employés, d'ailleurs, si vous saviez les process de recrutement, vous allez voir, en fait, dans mon équipe, j'ai que des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, très clairement. Et dans la même bienveillance, dans la même démarche de croissance personnelle, de devenir meilleur. Putain, j'ai un pixel qui est cassé ici. Et voilà. Donc, merci à tous d'être là. Vous êtes encore 129. Il y a Véronique qui dit, est-ce que vous pouvez nous aider si on connaît déjà notre Ikigai? C'est une excellente question, Véronique. En fait, on peut t'aider que tu connaisses déjà ton Ikigai, que tu le connais ou que tu ne le connaisses pas encore. C'est-à-dire que tu vois, maintenant, vu tout le background que j'ai, je peux aider tant les débutants ou super débutants qui sont comme Michel et qui sont encore salariés, comme ceux qui ont déjà beaucoup d'avance, qui ont déjà une offre à commercialiser. Par exemple, si je prends l'exemple de Michel, voilà, il était salarié, mais tout juste, il galérait, il était à zéro. Hein. Il venait de se lancer, il se faisait arnaquer par plein de prestataires, ça ne marchait pas. Je l'ai accompagné, il est passé à 20 000 euros. Valérie, quand elle a commencé, voilà, elle faisait du dropshipping, tu vois. Et je lui dis, non, stop, arrête tes conneries. Et donc, elle s'est lancée dans l'accompagnement de restaurateurs. C'est-à-dire qu'elle a une formation, elle a plusieurs programmes, en fait, pour aider les particuliers à créer et ouvrir leur concept de restaurant. Elle a une autre offre qui permet d'accompagner les restaurateurs déjà existants, refaire la déco, refaire la carte. Tu vois, elle intervient comme super consultante. Elle change tout et elle fait x10 sur le chiffre d'affaires. Et elle a encore d'autres offres de coaching que je ne connais pas. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Il y a donc Teddy qui est gestionnaire de patrimoine, qui bientôt va apparaître sur ma chaîne YouTube, voilà, qui vend justement de l'accompagnement aux particuliers pour mieux gérer leurs finances, pour mieux gérer leur patrimoine. Il aide aussi les gens à se lancer dans l'investissement immobilier. Il aide les gens à réduire leurs impôts. Mais il vend aussi des formations pour devenir courtier et gestionnaire de patrimoine, tu vois. Et bientôt, je pense qu'il va aussi créer un mastermind avec une offre d'accompagnement à l'année. Baptiste avait déjà une offre, lui, quand je l'accompagnais, il était déjà lancé, tu vois, et il est passé de 30 000 à 80 000 euros. Saad, il avait déjà une offre, mais qui marchait pas bien parce qu'il vendait du pas cher. Et je l'ai aidé à revoir son positionnement, à faire une offre premium, et c'est là qu'il a fait 1 million d'euros. Donc, tu vois, voilà, je peux vraiment aider tout le monde, que tu sois super débutant, que tu aies un pied déjà dedans, ou alors même que tu sois déjà bien lancé. Quoi qu'il en soit, ce que tu peux compter, c'est que je rajoute un zéro à ton chiffre d'affaires. L'idée, c'est que si tu pars de zéro, en fait, c'est d'abord, on t'aide à faire les premiers 1000 euros, puis le premier 10 000 euros, puis après 100 000 euros, puis après le million. Voilà, tu vois, mais vraiment, j'ai ce track record, en fait. J'ai les scores, j'ai la légitimité, j'ai les skills, j'ai les études de cas, les témoignages. Je pourrais même sortir des témoignages des autres, de mes confrères qui, même eux, me recommandent et te disent que je suis tout simplement l'un des meilleurs dans mon domaine, quoi. Est-ce que vous voulez que je vous en mette des témoignages des confrères, des autres formateurs qui vous disent à quel point je suis chaud? Dites-moi dans le chat si ça vaut la peine, je le fais. Si ce n'est pas la peine, si vous êtes déjà convaincu, c'est lui. Je préfère répondre à vos questions. Donc, Véronique, quel logiciel tu utilises pour ce webinaire et pour faire ton questionnaire? Donc, pour faire ce webinaire, donc sachez que l'intégralité de mon marketing, je le fais avec LearnyBox. LearnyBox, c'est une solution en ligne, en fait, qui te permet, et qui est en français, intégralement en français, qui te permet de créer ton site web, de créer ton blog, de créer des tunnels, les emails et les SMS que je vous ai envoyés, c'est grâce à LearnyBox. La conférence où je suis en live lancement, c'est grâce à LearnyBox branché avec YouTube. Encaisser mes clients, c'est avec LearnyBox. Recouvrer mes clients, c'est avec LearnyBox. Gérer le SAV, c'est avec LearnyBox. Les conférences en live, c'est LearnyBox. Les sondages, c'est LearnyBox. La vente des produits, c'est LearnyBox. La distribution de mes formations en ligne, c'est LearnyBox. Et il y a juste pour le quiz là, avant la prise de rendez-vous, j'utilise Jotform. Donc ça me permet en fait de créer des quiz de qualification et de disqualification. Ça coûte 10 balles par mois, je crois. Et pour gérer l'agenda en ligne de mon équipe et mon agenda personnel, j'utilise un autre outil qui s'appelle Calendly. Et voilà, qui te permet de mettre ton agenda à disposition et de faire plein de choses super cool. Et tout ça, en fait, je vous l'enseigne à travers les différents programmes. Je vous enseigne toujours systématiquement la stratégie, c'est-à-dire quoi faire, pourquoi le faire,
et comment le faire. Donc, il y a toujours cette structure. D'abord, la théorie, la stratégie, les tactiques et les tutoriels pratiques. Et notez que voilà, on délivre tout ça à travers des formations, mais aussi à travers des coachings qui sont groupés. Vous avez eu un aperçu un petit peu de ma pédagogie, mais aussi du coaching one-to-one. On fait aussi du done for you. Enfin, on fait vraiment tout pour vous permettre d'obtenir des résultats rapides, puissants et rapidement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'erreur. Hein. L'erreur, enfin, ça, les, rappelez-vous, les obstacles font partie du chemin. Il y a Ryan Holiday qui écrit deux livres qui sont super. C'est « L'ego et l'ennemi » et « L'obstacle et le chemin ». Et ça résume tout. Oui, mon offre est en comptabilité pour les Belges sur le même format que Romain Pirotte. Donc, Véronique, sache que dans notre cliente, en fait, j'ai une comptable en fait, qui est en Belgique. À moins que c'est peut-être toi, Véro. voilà. Bon, je ne pense pas qu'il y ait plus de questions. Je pense que vous êtes tous jetés sur le formulaire. Si oui, bah, c'est simple, votre vie elle va changer, très clairement. Il y aura un avant et un après. Ce que je peux vous promettre, c'est que tout ce qu'on enseigne, en fait, ça fonctionne. Bah, vous avez vu les preuves. Tout ce qu'on fait, on sait le faire et on le fait très, très bien. C'est pour ça que ça marche. On est animé par la bienveillance, par l'impact. Et tous nos clients, enfin tous les clients qu'on accepte, ont de l'impact et gagnent beaucoup d'argent. Et encore une fois, tu gagneras autant que tu as de l'impact. Alors, cherche à avoir de l'impact et à ce moment-là, ta vie, elle pourra changer. Merci à tous ceux qui sont encore là. Merci à tous ceux qui ont passé tout ce temps avec nous. Moi, j'ai la voix cassée là. J'en peux plus. Donc, je vous invite à... Si le replay fonctionne, je vous enverrai le replay. Je vais essayer de vous envoyer aussi les slides. Parce qu'il y avait quelques outils qui étaient très pratiques. Et puis voilà, bah, réservez un appel stratégique si vous voulez qu'on vous aide à gagner 20 000 euros par mois grâce à votre passion, grâce à votre expertise. Encore une fois, j'insiste, on vous accompagne de A à Z, peu importe d'où vous démarrez, même si vous êtes super débutant. En fait, ça m'anime plus, encore plus d'aider les gens qui sont comme moi j'étais avant quand j'étais en galère. Si vous êtes déjà professionnel, déjà bien lancé, bah, sachez qu'on peut vous aider et qu'en plus, c'est très facile pour moi de vous aider si vous êtes déjà lancé. Et voilà, je vais mettre fin à ce live. Merci beaucoup. Vous allez recevoir sans doute dans quelques minutes un petit questionnaire. Répondez au sondage, s'il vous plaît, pour me permettre d'améliorer cette conférence à l'avenir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.